la gueule, c'est toi la pétasse. Non mais regarde-toi, t'es habillée comme une traînée là. Alors que toi, il est pas comme sexuelle. C'est un vrai jazz. Tu me fais confiance? S'il te plaît, arrête! S'il te plaît, s'il te plaît! Mais t'es calme-toi! Hey, tu vas crier, y'a personne! Ouais, mais je t'ai dit, t'inquiète, j'arrive dans une demi-heure! T'inquiète pas, je vais faire un tour. Chez moi, chérie. Pourquoi tu me repousses? Allez, viens, viens, viens. Laisse-moi. Non, ça va pas se passer comme ça, en fait. Tu viens avec moi. Bon, arrête. Ouais, vas-y, tu me saoules, ça y est. Vas-y. Tu sais, je suis en train de ma... De ta... Vas-y, parle. De ta... Tu sais, je suis pas du genre à finir mes phrases. Et encore moins à dire ce que je pense. Non, mais attends, tu me fais peur. T'es sûr que ça va? Oui, ça va, c'est juste que je... D'accord. Bon, écoute. Dis-moi ce qu'il en est. Arrête, fais ton cinéma. Parle! Je suis pas venu ici pour rien quand même. Laisse-moi prendre mon temps, s'il te plaît. Hey, dis-moi ce qui ne va pas. Je dois aller voir mes potes. Voilà encore tes potes.
Tu me manques, je veux que tu sois près de moi, que tu m'invites au restaurant, au cinéma, qu'on se balade. Je dois me faire du bif pour nous deux, bébé. N'écoute pas ce que les gens disent, ils sont des jaloux. Ils veulent pas me voir évoluer, je te jure. Tu sais quoi? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Toi aussi, voilà. Bon, je te fais un bisou. Merci, tu sais, c'est normal. Entre femmes, pour qu'on soutienne plus, qu'on défend cette cause. Les garçons, c'est toujours, c'est tout le temps, tout le temps. C'est les garçons en 2010. Les traités du cerveau, c'est pas ce qu'ils cherchent, ce qu'ils veulent. Tu pourrais être ma soeur, c'est pour ça que je défends toujours. Pleure pas, ça va aller. Ma belle, pleure pas, je vais te laisser. Je fais attention à toi. Merci. Au revoir. Au revoir. Attends, tu vas te faire caber comme ça là? Non. Il est, c'est quoi cet accoutrement là? T'es à moitié nu? Désolée. Hey, regarde-moi quand je te parle. Qu'est-ce que les gens vont dire au quartier en me voyant comme ça? Moi, ta grande soeur, je te respectais. J'ai une bonne image, j'ai un boulot. Non, mais tu t'es vue là? Non, mais regarde-toi, t'es habillée comme une traînée là. Alors que demain, il y a des pervers sexuels. Les mamans d'aller pas trop. Mais bien, mais alors, t'as un décolleté. Regarde comment tu t'habilles, après tu t'étonnes que tu te fasses harceler. Vas-y, rentre à la maison. Pétasse. Pardon, t'as dit quoi là? J'ai mal entendu, t'as dit quoi? Et surtout quoi, j'ai dit pétasse. Eh, hey, ferme ta gueule, c'est toi la pétasse. Moi, je suis une pute. Putain, mais c'est pour putain, tu me dis, tu me dis, tu me dis, non, mais t'es qui pour me juger sur mon style vestimentaire? Déjà, en tout cas, ton mec qui court après moi. Ça me dégoûte ce genre de meuf. Ça me pute. Là, je vais parler avec elle. Ah, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est bon, c'est important. Bouge là, mon gars. Donc là, je vais te voir parce que j'ai un bête de temps pour tanker. Tu me comprends? Eh, hey, mon gars, arrête de rigoler là. Putain, pourquoi tu parles avec elle là? C'est ouf. J'ai un plan pour toi. Je te jure, une bête de plan. Eh, hey, les gars, arrêtez là. Arrêtez de pas les faire là. Hey, j'ai un bête de. C'est bon. De toute façon, ton plan il m'intéresse pas, l'autre fois on s'est retrouvé au commissariat. C'est pas comme la dernière fois tu te retrouves au commissariat. C'est un vrai jazz. Tu me fais confiance? Je suis plus dans ça là, laisse-moi tranquille. Ok, d'accord, c'est pas grave. Bon, je te laisse avec ton copain. Bon, du coup là il s'est passé quoi là? Non, rien, c'est juste un truc. Bon, bah ça va alors, on peut y aller, hein. Vas-y, viens. Allez, vas-y, on va voir le dos. Hey Jeanne, t'es mal, t'as dégaine, t'es toujours en jogging. On aurait dû t'appeler Jean, ouais. Oh non. Oh, t'es trop fondé. Hé, ferme ta gueule, sale profond. Oh, oh, garçon, garçon. Oh, t'es trop fondé. Oh, c'est bon, tous les jours, tu t'habilles en jogging, habille-toi comme une meuf, non? Et je te demande même pas de t'habiller comme une nièce la pute, wesh. Eh, hey, vous êtes des ouf ou quoi? Eh, hey, les meufs, elles ont le droit de s'habiller comme elles veulent, les gars. Mais en fait, c'est pas parce qu'on s'habille en robe sexy qu'on doit se faire harceler, hein. Les gars, ce n'est pas facile pour les meufs. Tout le temps dans la journée, elles se font harceler, tout ça, les mecs dans le métro, touchent les fesses. Est-ce que c'est bien? J'avoue. Ah oui, c'est pas bien. Comportez-vous comme des gars. Respectez les meufs, hein. Respectez vos darons, respectez vos sœurs. C'est quoi ça? Ouais, elle habille comme un garçon, et alors? Elle s'habille comme elle veut, non? Elle s'habille comme elle veut, non? Oui, bien sûr. Ah ouais, en plus, t'as une petite sœur aussi qui s'habille en suivette, tout ça. Elle fait du foot en plus. Mmh, il fait le mec sérieux. Mais les filles, vous abusez aussi, vous abusez tout le temps en jupe, en décolleté et tout, wesh. Comportement. On n'est pas des objets, on veut être respectés. Bah oui, on mérite des respects, on est les mères de l'humanité. Les femmes ne sont ni des chiennes ni des objets. Exactement! Et toi aussi, comporte-toi comme une fille! Bon les gars, vas-y, on bouge hein. Moi je vais passer moi je m'appelle avec des billets de garde. Oh, de toute façon mon petite soeur la fout hein. Hey Inès, comment tu vas? Ça va. Hey, tu sais j'ai un plan de tout. Non, j'ai vraiment pas confiance, ça reste pas. Hey, c'est un vrai plan. Hey, la dernière fois que j'ai fait un plan avec toi, je me suis retrouvé au comico.
Eh, j'en ai marre de tes yeux. Putain, elle abuse là. C'est pas grave. Les gars, c'est ma dernière cigarette, hein, j'y peux pas, voilà. Ok, ok, c'est bon, bien vu les gars. Attends, mais c'est pas la meuf de la dernière fois là? Ah ouais, y'a personne, hey, ça va chauffer là. Eh ben voilà, je vois qui là. C'est pas toi la meuf de la dernière fois? Dans le métro? Mais non, fais pas ta meuf là! Mais tout le monde, fais pas ta meuf! Tu peux pas dire aussi ou pas? Regarde, il est pas fait, tu fais la meuf, t'as le salope pas toi! Y'a personne qui va t'attendre, on est que deux, ok? Fait, t'es vraiment bon là. Wow, t'as vu? T'es trop sexy comme ça. Et moi ça me plaît, ok? Alors tu vas te calmer. On va faire ma manière. Hey, mon gars, tu te souviens de Jennifer? La grosse là? Ouais, elle avait un tarpé, un truc de ouf. Attends, mon gars, vas-y. Qu'est-ce qu'on a? Viens, j'ai omni qui vos races là. Dégage-toi là. Salaud le mec, salaud. Putain. Il a pris mon téléphone. Ouais, le chien, il s'est séparé avec. S'agit-il? C'est pour un plan sûr. Il faut du bif. Fais-moi confiance. Ça doit rester confidentiel. Ok? Mais tu sais, je suis pas trop pote avec elle. Mais ok, je vais aller la voir. Franchement, t'es un amour. Je savais que t'allais le faire pour moi. J'ai pas du rouge à lèvres. Et tu peux me dire ton plan là? C'est quoi ton plan? Non, je peux pas te dire. Pourquoi tu peux pas me dire? Sans débat, tu sais, moi je suis dans les business, tout ça, les prochains. Mais quel business? T'es mon copain, tu dois tout me dire en fait. Ouais, je sais, mais ça, ce sont mes affaires, je peux pas te dire. Oui, mais si c'est tes affaires, c'est les miennes aussi, tu dois tout me dire aussi. Ouais, je dois tout te dire, mais il y a des choses que je peux pas te dire. Mais si, pourquoi tu peux pas me dire? Oh là là, mais t'abuses là. Mais en quoi j'abuse? Je suis ta meuf. Eh, reste à ta place, tu sais. Je compte sur toi pour aller voir Inès, ok? Oui, si tu comptes sur moi pour voir Inès, j'irai lui demander c'est quoi alors ton plan. Okay, parce que toi, tu veux pas me dire, et elle me dira. Ok, on verra. Même si c'est pas ma pote de base, et je vais lui demander. Ok, si tu veux. Je compte sur toi. Non, j'ai pas de plus. Ok, c'est pas grave. Allez. Okay. Oh, c'est plus, au revoir là. Ça te va, bébé? J'aime pas, il veut rien me dire. Il veut même pas me dire c'est quoi son plan. Je peux aller voir qui est là. Je peux aller voir son pote. Ok. Antonio? Oui? Est-ce que tu peux parler à The Vince pour moi? Parce qu'en ce moment, il est trop distant de moi, je comprends pas. Ouais, tu sais, mais moi, je sais pas où il est en ce moment. J'ai pas de nouvelles. Et tu peux me dire c'est quoi ses plans? Parce qu'il me dit rien en fait. Je savais que t'as tout dit. Ah là là, lui, c'est un avant.
aventurier, on sait pas ce qu'il fait. Il est à droite, il est à gauche, laisse tomber. Si tu te tiens au courant, et ben tu me dis, d'accord. Vas-y, y'a pas de galère. D'accord, bah, merci. Y'a pas de soucis, vas-y. Vas-y, j'en suis sûr, il sait ce qu'il fait. C'est juste qu'il veut pas me dire. Même pas honte. Attends, je vais appuyer sur le game, je vais lui dire. Tac tac. Tac tac tac. Ouais, allô mon gars. Ouais, c'est moi, tu connais. Hey, je viens de voir ta go là. Elle pose beaucoup de questions, hein, mais tu connais comment je suis malin, tout ça. J'ai fait le gabette un peu, genre je sais pas où t'es, tout ça. Quoi? Non. Elle est venue te voir. Sérieux? Putain. Mais qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Ah mais fais belègue, hein. Elle pose beaucoup de questions, chacal. Déjà, fais attention à ce que tu fais. Eh, hey, j'espère que tu lui as rien dit, hein. J'espère, hein. Tu me connais, mon gars. T'inquiète. Faut pas qu'elle crie. Parce que c'est le courant, mon gars. Elle peut me quitter. Ok, je te fais confiance. Vas-y, vas-y. Vas-y. Ha! Lui, un jour, il va se faire péter, lui, hein. Je pourrais pas le couvrir longtemps comme ça. Un jour, je vais péter un câble, je vais en avoir marre. C'est bon. Bref. Tonio, mon gars. Wesh. Ça dit quoi? T'es là et toi? Moi, je suis dans des vrais plans comme d'habitude. Des jazz. Tu connais? Ah, c'est toi avec tes jazz. Ta copine, elle m'a encore appelé, elle est venue me voir, tout ça. Ouais, il fait quoi, The Gling, tout ça. Et tu lui as dit quoi? Comme d'hab, je t'ai couvert. Mais au bout d'un moment, je pourrais plus te couvrir, mon ref. Comment ça, tu pourrais plus me couvrir? Eh hey, gros, ta meuf, elle est trop maligne, frère. Moi, je peux pas lui mentir comme ça tous les jours. Toi, t'es pas mytho? Moi, je suis un mytho? Ben non, moi, je suis pas un mytho. J'hallucine. Quand t'es au comico, tu mytho là-bas, tu baves comme un crapaud. Ou bien t'es comme ça, tu parles pas. Quand c'est moi, je t'ai dit me couvrir pour ma meuf. Le mec il veut pas. Ouais, je suis pas mytho. Mon gars, tu douilles. Quand moi je te couvre, je mens. Tu dois aussi mentir. Donc arrête, arrête mon gars. Putain, c'est un truc de ouf là. T'es comme une hyène. Tu tues un riant. Oh, oh, c'est bon, calme-toi. C'est bon. Tu veux me calmer, ok? Bah oui, frère, calme-toi, wesh. Mais pour ma meuf, là, mon gars. Ah, vas-y, tu fais quoi? T'arrives quoi, wesh? Putain, mais pour ma meuf, tu me soutiens, frère. Ouais, je vais te soutenir, mais arrête de faire des trucs comme ça, ma gueule. T'abuses, là, frère. Ah, t'es ouf, toi. Ouais, mais quand c'est pour tes meufs, là, je te couvre. Hein. Je te couvre. Bon, mon gars, on se calme et tout. Ouais, calme-toi, vas-y. Vas-y, tiens, calme. Vas-y. On s'attrape. Vas-y. Fais attention, mon gars. Mais pourquoi tu pleures? Ma copine, je me fais toujours harceler. Si t'as besoin de moi, si t'as besoin de moral, je suis là, je suis là. Inès, victime d'harcèlement sexuel dans le métro et dans la rue, a-t-elle plongé dans la dépression avec cette péripétie? Ah, ça tombe bien, il y a Inès, je vais aller lui parler. Salut Inès, est-ce que je peux te parler sur le côté, s'il te plaît? Si je suis là, c'est pour te demander ce qui se passe avec mon gars. Enfin, votre business là. Mais c'est lui qui insiste, je l'ai rien demandé. Et c'est quoi le plan là? T'es sa meuf, t'es censé le savoir, non? Ben, c'est parce qu'il veut rien me dire. T'es sûr que t'es pas au courant? Moi-même, je sais pas de quoi il s'agit. Il m'a demandé de te voir pour que t'acceptes sa proposition. Ah, ok, je vais y penser alors. Mais elle voulait quoi celle-là? C'est la meuf à The Glimps là, avec ses plans sous, tu connais déjà. T'as accepté? Bah, je suis en train d'y réfléchir. Attends, mais réfléchir pourquoi? Mais sérieux ou quoi? T'as perdu la tête?
Ce mec, il va t'apporter que des problèmes. Hein. J'avoue, tu as raison. Hein. C'est pour se faire de l'argent, tu sais. Mais attends, il y a d'autres moyens pour se faire de l'argent. T'as raison. Hey, Sachiko, j'ai des vrais bails pour vous, là. Vous êtes intéressé? Hey, Didou. C'est quoi? T'as vu? Il y a de tout. Ce sont des bails que tu ne vois pas ailleurs. À la FNAC, ça coûte cher. Darty, tout ça. Et chez moi, moins cher, mon gars. Que? L'appareil photo est pas mal. Je kiffe. Mais je suis pas intéressée. Je préfère faire mes achats en magasin. Oh, j'adore la caméra. Je peux grave faire des vlogs pour YouTube. C'est pas tous les jours que tu peux avoir cet objet à ce prix-là. Attends, comment ça t'es pas intéressé? Et ça, ce sont des vrais bails. Ouais, je fais mes achats en magasin. Vas-y, dégage. T'es intéressé, toi? Ouais, franchement, je suis grave intéressé. Ah, si, si. Vas-y, je te la prends, frérot. Tu prends un petit prix? Tu seras là? C'est quoi ça? Tu prends un petit prix, non? Petit prix? Tu me sois des pièces? Je me sens des pieds. Non, tu t'abuses. Pourquoi tu rigoles, toi? Attends. Tu me prends pour un clown? Je suis un guignol, moi. Tu mets des pièces? Je suis un guignol, moi. Putain. Eh, hey, sortez-moi un Yébi, là. Sans Yébi. J'ai rien. C'est qui règle? Oui, oui, bien sûr. Tenez. Ça laisse échapper. Ok, merci. Bon, ça attrape pas. Non, mais dis donc, t'abuses là, mes 35 balles. Mais c'est bon, je savais même pas que ça allait se passer comme ça. Au moins, on a une caméra. Et si tu veux tes 35 balles, je te les rembourse. Bon, fais voir ta caméra là. Elle s'allume même pas. Elle marche même pas, on s'est fait arnaquer. Hein? Ouh, god damn, motherfucker! Non, ça va. Putain! Pas mon gars, il vient de sortir juste dans un frigo. Bah, ouais. Flash comme la crème. Waouh! 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 Attends, la fille là, vous la voyez pas? Oui! Sa tête m'a dit un bruit. C'est un côté, elle m'a niqué la dernière fois. Hein. Ah ouais? Eh, hey, vas-y, mon gars, qu'est-ce qu'ils font là? C'est bizarre, viens, viens, viens. Eh, mon gars, tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais là? Eh, tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais là? Eh! Wesh! Wesh! Là! Tu fais quoi? J'ai envie de niquer vos races là! Eh ben, se dégage tout là! Salaud le mec! Salaud! Putain! Venez, venez, venez! On va faire un truc là! Voilà, acheter baguette de pain là. Il fait quoi là? Hé hey! Toi tu vas où? Viens, tu viens d'où? J'étais quelque part. Tu as quitté où? Depuis le matin, il t'a envoyé parler de pain. Tu viens d'où? Là c'est pour te promener, elle est voyou là, tu es promené ta grosse tête là. Tu viens d'où? Ma baguette est où? Je vais acheter. Mon pain est où? Je vais acheter. C'est bon. Mon pain est où? Je sais pas. Tu peux plus parler. Tu es bobo. Bon. Il t'a pas dit qu'il faut pas te marcher avec les voyous. Il sait que tu étais avec les voyous. Il t'a pas dit qu'il faut pas te marcher avec les voyous. Non, c'est bon, j'étais pas là. C'est. Tu dis quoi? Ta tête là. Il t'a pas dit qu'il faut pas te marcher avec les voyous. Y'a tes cheveux, y'a tes cheveux. Y'a comment tu es? Y'a comment t'es habillé? Va acheter mon pain. C'est bon. Hein? Ok, c'est bon, je comprends. Je ramène la baguette. Pain là-bas. Ok. Elle s'est fait serrer là. Putain, la buse.
m'abuses là. Ouais, va m'acheter la baguette. Quelle baguette? Putain. Deux fois va à Château d'eau, Château Rouge. Va acheter des bananes plantain. Et moi, je suis dans les free buy, moi. J'ai pas fini, moi, je vais. Salut, ma belle. Tu es belle comme ça. J'avais un truc à te dire. Ah ouais? Bah oui, ton petit frère, il me cache des choses. Mon petit frère? Bah oui. Moi-même, là, je sais pas ce qu'il fait. Ce matin, là, j'ai voulu l'envoyer acheter du pain. Pour m'envoyer mon pain. Il a duré jusqu'à... C'est tout de suite, là, il est avec les voyous, là. En tout cas, je sais pas ce qu'il fait aussi. Ouais, en tout cas, il devient bizarre. Moi-même, il est bizarre aussi. Je le vois jamais à la maison. Quand je l'envoie faire ça, il est ici. Je l'envoie faire ici, il est là-bas. Je sais pas. En tout cas, si il veut, ben, je te dirai. Moi aussi, si, je sais. Je ne peux pas t'inquiéter. Voilà, t'as ben, sérieusement, je sais pas, mais je vais essayer de savoir. Pas t'inquiéter. Prends-toi bien, ma chérie. Merci, toi aussi. Ok, au revoir. Salut. Salut, ça va, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, tu fais quoi là? Là, je suis en train de réviser mon contrôle d'histoire. Aïe, ça rigole pas. Hein. Ah bah oui. Je vais te poser des petites questions. Mais vas-y, hein. Il est né quand, Napoléon? Il est né le 15 août 1769 à Ajaccio. Et il est mort quand? Il est mort le 5 mai 1821 sur l'île Sainte-Hélène. Et qui était-il? C'était un militaire et un homme d'État français. C'était le premier empereur français du 18 mai 1804 au 6 avril 1814 et du 20 mars au 22 juin 1815 sous le nom de Napoléon Ier. Je l'aime tellement, mais je ne sais comment lui dire. Il est comme un grand frère pour moi, mais ce que j'éprouve pour lui est plus fort que moi. Je pense que t'es prête, hein? T'as agiré grave là. Bon, tu sais quoi, moi je dois bouger, j'ai des choses à faire là. Mais non, reste un peu, mec. Non, j'ai un petit business à faire, de gauche à droite là. T'as toujours des business, hein? Toujours, hein. Bon, check, hein. Salut. Hé, hey, tu vas d'être ça. T'inquiète. Ah, ça, j'ai plus belle batterie là. Ouais, les abonnés, je viens de réparer la batterie de ma caméra. Tout est carré pour reprendre le vlog comme d'habitude. Vous me connaissez déjà. Eh, hey, mais Kéké, c'est pas ma caméra là-bas? Ouais, bien sûr, c'est ta caméra, ouais. Vas-y, on va voir. On va partir sur une nouvelle caméra. Ouais, cette caméra. Où tu as trouvé cette caméra, en fait? Je l'ai achetée. Elle est pas à toi, cette caméra. Mais je l'ai acheté. Vas-y, presse la caméra. Mais t'es malade ou quoi? Elle est pas, elle est même pas pour la caméra. Mais t'es malade. C'est tout. Les filles aussi ont des sentiments qu'elles n'arrivent pas à dévoiler aux personnes qu'elles aiment. En ce moment, je suis en pleine réflexion pour monter un business qui va me rapporter des sous. L'amour défendu. Ce n'est pas la différence d'âge qui pose problème, mais ma situation car je suis en couple. La vie est un choix, c'est à prendre ou à laisser, donc je n'ai aucune peine. Elle veut tout savoir, mais je ne veux pas qu'elle le sache, sinon il y aura rupture. Elle voit en moi un homme en bien. Fait, je vais te parler parce que du coup, je sais que t'es proche de Grims. Ah mais c'est mon gars, wesh. Qu'est-ce qu'il y a? Il est drôle, il est attentionné, je crois que je suis amoureuse de lui. Son sourire, sa présence, à mes côtés suffisent à mon bonheur. Grâce à lui, je suis heureuse et je vois la vie en couleur. Wouah. Non, tu mens. Non. Really, nigga? Mais ne le dis à personne, hein. Oh, t'inquiète. Oh, toi aussi, tu me connais. Je te fais confiance. Allez, vas-y. Allez, salut. Vas-y. Putain, ah ouais, que des dingueries ici, c'est une dinguerie. Ouh. Wesh, ils ont moins 8 ans d'écart, wesh. La grande scène casse les bonbons, c'est un truc de ouf. Hey, mon gars. Ça va ou quoi? Hey, j'ai un truc à te dire, mon gars, par contre. Pas le vite parce que j'ai. Hey, la petite là, elle te voit pas comme un grand frère, chacal. Hey, je crois qu'elle est amoureuse de toi. C'est impossible. Tu sais bien que je suis posé, non? Chacal, elle te voit pas comme un grand frère. Je crois qu'elle est amoureuse de toi. Et alors? Je suis en couple avec Laurine. Ouais, je sais que t'es en couple, mais laisse-moi une chance. Quelle chance? Attends, mais toi, t'es bizarre, hein. T'es capable de sortir avec elle? Non, moi, j'avoue, je veux pas. Et pourquoi tu me dis de sortir avec elle alors? Il y a 8 ans d'écart entre elle et moi. Toi, t'es bizarre, hein? Ouais, mais elle est amoureuse de toi, chacun.
RAF, rien à foutre. Parle-moi des business, mon gars, parle-moi des vrais bails. La tête d'homme, c'est vrai. T'as des problèmes, toi. Mon gars, parle-moi des vrais bails, c'est un petit business, tout ça. Tu sais, moi, je suis dans les affaires. Business, toi. Moi, c'est dans les affaires, mon gars. Les affaires, l'agent, le réalise, la kishta. Toi, t'es là, ouais, la petite, elle me kiffe. Toi, t'es chelou, hein. T'es chelou, hein. Non, calme, calme. Bon, mon gars, moi, je te laisse, hein. Vas-y, mon gars. Je connais. On s'attrape. Vas-y, hein. Je t'appelle, hein. Vas-y, comme d'hab, je t'appelle. C'est ouf, lui, il me parle de la petite, la petite. Ouf, qui ça, lui, hein. Là, je pense que je faut que je réfléchisse à un plan, là. Je vais te parler. Je t'écoute, dis-moi tout. Tu sais, je vais être sincère avec toi. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Ouais. Et en vrai de vrai, je pense que je t'aime. J'ai envie d'un truc avec toi, que tu me donnes une chance et qu'on essaye, toi et moi, parce que je me dis que ça peut me faire ta vie. J'ai pas envie que tu sortes de ma vie. J'ai envie que tu restes avec moi, parce que mine de rien, je suis amoureuse de toi. Ah là 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 là. T'as mangé quoi ce matin? Quel moustique t'as piqué? Toi, tu viens comme ça, tu me dis ouais, je sais pas quoi, je t'aime, machin truc. T'as vu les cadages qui entre nous deux? Et putain. Tu sais à combien d'années entre mes parents et? Ouais, ça sont tes parents. Ça se comprend. T'es comme ma petite. Tout le temps je t'aide. Ah, mais dis pas ça s'il te plaît. C'est impossible, hein. T'as rien d'impossible. Tu sais bien que je suis posé, non? Et ma meuf, tu veux qu'elle me tue? On va rien lui dire, ça restera entre toi et moi. Non, parce que quand tes sentiments vont grandir entre toi et moi, tu vas vouloir dégager ma meuf et avoir la place principale. Pas forcément, on verra bien comment les choses vont se passer. Et si je me marie avec elle? On verra. Pour l'instant, t'es pas marié avec elle. Eh, hey, la vie est un choix et j'ai déjà fait mon choix. Je suis avec Laurine. Attends, c'est vrai, tu m'aimes? Ben oui, je t'aime. Franchement, c'est mort. Mais tu sais, moi, je t'aimais vraiment. Hé, hey, arrête de chialer. Arrête de chialer, ça. Ça. Qu'est-ce qui se passe là? Je rêve ou quoi, là? Tais-toi. Hé, hey, tu sais pourquoi je t'en ai dit? Tu sais que t'es en contact avec ces gars qui m'ont niqué. Alors tu vas lui filer, t'es en contact? Non, les gars, hey, d'abord là, on s'en fout d'un chien. Tu vois pas ces beautés là? Ça nous sent un mot comme ça. Il faut qu'on demande une ressource, ce qu'on s'est dit. Ok? Non, on s'en fout d'un chien. Vous savez quoi? Moi, je parle de vos trucs de pervers là, ok? Mais raconte quoi, lui? On a failli m'enlever par trois gars. Quoi? Qui a osé te toucher? Je ne connais même pas. Tu te fais harceler? Faut que je m'occupe de ce bouffon. Attends, il ressemble à quoi? Qu'il a des mèches et des perches, tout ce que je sais. Ok. On va régler ça. C'est quoi, viens, on avance. Voilà. Yeah, yo! C'est comment là? Tu fais quoi là?
Y'a rien à faire. Ah vas-y, bouge, fais ta chaîne, on va bouger. Ah, ouais. Ouais. Voilà. Ah, allez, vite. C'est la fille là, c'est la fille qui m'a menacé dans le métro là. Une fille te menace? Ah mais non, une fille peut pas te menacer toi. Voilà. Les gars, qu'est-ce que vous racontez là? C'est pas une fille ça, elle a du karaté. Oh oh, c'est une blague. Non, hé, hey, venez on va voir la fille là, venez. Hey venez. Oh, y'a quoi? C'est pour moi là. Hein, tu te rappelles de moi dans le métro? Ah là t'as peur là, t'as peur en métro c'est ça? Tu flippes là c'est ça? Hey, tu crois que je suis une tête pour avoir compris? T'es curieux là? Laisse le bouffon, va tu ramener une équipe, tu crois qu'ils vont faire quoi? Comment elle a vu quoi? Hey, casse-toi avec tes bouffons, sale con quoi! T'inquiète pas, la prochaine fois je la casse! Oh de poteau! C'est quoi? Hey, tu sais quoi? Dès maintenant, on va t'appeler Ciara, ok? Parce que là, je vais monter une affaire de malade dans le deux semaines. Encore des affaires, tu vas jamais me dire qu'est-ce qui se passe. Attends, mais pourquoi il te retarde comme ça, ce mec-là? C'est lui, c'est lui. Ah, c'est lui? Oui, c'est lui. Attends, voilà, j'arrive. Deux fois, il nous arrive d'agir sans penser aux conséquences. Les gars, arrêtez de rigoler. Tu vois la fille là? Moi, je vais l'attraper. C'est parce qu'on était devant la foule? Elle fait son cinéma entre elle et moi dans le quartier. Hein? Oh. Est-ce qu'elle va parler? C'est celle qui t'a bougé, hein? On t'a pas répondu une guiche qui est pas tenue. C'est elle le seul, hein? C'est une fille qui lui a interdit le quartier. C'est un bourgeois, lui là. Toi aussi, qu'est-ce que tu es garçon? Une fille t'interdit le quartier comme ça? Ah, cousin. Fais le sport, cousin. Et bon courage. Un bon courage, hein? Oh les gars, c'est qui ce gars là? Il vient, il est énervé comme ça là. Oh, lui il est dangereux hein. J'ai entendu parler de lui dans les quartiers frère. Fais quoi? S'il te plaît. Lâche-moi là putain. Rien dangereux s'il te plaît. Oh, je te suis c'est ça. Oh, pourquoi t'as peur? T'as cru que c'est un chien méchant? Oh, viens, on est là. Ils savent pas qu'ils ont affaire. Je pensais qu'on était plus fous non. Arrête-toi, oui. Enfin, il nous a dit de bien, je suis.
Et tout le monde doit voir ça, frère. Voilà, tu te tais. T'as pas besoin de faire. Arrête, c'est ça, ma frère. Oui, il faut que tout le monde voit ça. Non, 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 non. On n'a pas besoin, c'est bon. Après, il faut que tout le monde voit ça. Arrête ça, wesh. Regarde, le mec, il va mourir là, il va mourir. T'es fou ou quoi? Il va mourir, frère. Oh, c'est cool, le gars. Après, les pompiers, frère. Les pompiers, ils vont arriver. Mon frère, lève-toi. Lève-toi, frère. Lève-toi! Lève-toi! Lève-toi, mon frère! Non! Il faut que tout le monde fasse ça! Non, mon frère! Pourquoi? Non! Regarde la robe que j'ai achetée il y a longtemps, mais je veux juste savoir ton avis, elle est belle ou pas? Elle est grave belle! Merci, c'est gentil! Je veux grave la mettre en été! Et elle me sert pas beaucoup, c'est comme on parle mal de moi. Bref, tu sais que ton mec il m'a sauvé la vie. Ah ouais, t'es allé le voir? Oui, en fait on s'est croisés et après j'ai expliqué qu'en fait il y avait trois gars qui ont essayé de m'enlever. Mais non, c'est pas ce que tu crois, je me fais toujours harceler ces jours-ci. Et en plus on a failli m'enlever par trois gars. Ouais. Et comme de par hasard on les a retrouvés, il a fait un bon travail. Viens, on y va. T'as dit c'est quoi le plan? Non, pas vraiment. Vas-y, il est sérieux, il veut rien me dire. Et toi, tu pouvais pas lui demander? Je sais pas. Mais une mytho en fait. Mais j'avais pas le temps. Ah, maintenant je suis une menteuse. Bah oui, c'est une menteuse. Mais arrête de mentir en fait. Pourquoi je mentirais en fait? Mais t'étais avec lui, tu pouvais lui demander. Mais on avait pas le temps. Mais si en fait, t'avais très bien le temps en fait. Je viens de te dire qu'il m'a sauvé la vie. Il faut que je t'en mets sauvé la vie. C'est pas ton problème en fait. C'est pas ton problème. Non, c'est pas ton problème. T'es vraiment égoïste en fait. Tu penses qu'à ton père. Et alors, ça te fait quoi? C'est quoi ça que je parle à l'époque? Non, je suis pas assez très bien, elle fait semblant, elle veut juste pas me dire. Sale babtou, va. Ouais, je t'ai sérieuse. Mais tu l'appelles sale babtou, c'est mais raciste, qu'est-ce que tu fais? C'est une babtou. Je m'en fous que ça soit une babtou ou pas, ça se dit pas, c'est raciste. Eh, tu sais quoi, un combo quotidien. T'as pas forcé. Vas-y, aujourd'hui t'as encore, t'as le racisme tue, discrimine, humilie. Oh l'amour, qu'est-ce que c'est beau l'amour. Qu'est-ce qui se passera après? On jettera la haine. Je sais que c'est des longues études, mais c'est vraiment ce que je veux faire. Moi, tu sais ce que je vais faire plus tard? Je vais faire influenceuse. Moi, je veux travailler avec mon téléphone. C'est plus important pour moi. Là, les études, c'est pas pour moi. Clairement. Ouais. J'ai vu ta sœur avec un arabe. Quoi? Je te jure. Viens, on va voir. Viens. Hey, tu penses qu'on peut vraiment se faire? Dégage, dégage. Mais t'es sérieuse, toi? Pourquoi tu sors avec un arabe? Mais je sors avec qui je veux. Mais t'es sérieuse, c'est pas un arabe, c'est mon frère, et en plus c'est les turcs. Mais est-ce que je savais moi-même? Mais c'est du racisme. Mais je savais pas. Là tu peux skier. Ouais, j'arrête. Et je vais t'enculer. Tu te reprends. Vas-y, arrête là. Arrête. Eh, va là-bas. C'est lui là. Arrête, calme-toi. Calme-toi. Vas-y, toi là, tu savais que Zegrim s'il avait une relation avec une fille. Eh, doucement, calme down. Arrête de m'agresser, s'il te plaît. Quoi? Moi j'étais pas au courant. Toi, tu déjà dit. Je mens pas, c'est pas parce que c'est mon pote que je sais tout ce qu'il fait. Espèce de mytho, bah, franchement, c'est très bien. Ah, c'est une dinguerie ça. Moi je sais pas ce qu'il fait, j'étais pas au courant. Pourquoi tu m'adresses? Adresse de quoi? Tu me connais, tu me connais. Eh regarde, tu me connais, main sur le cœur. Non, je te promets, j'étais pas au courant. Tu m'as saoulé, vas-y, casse-toi. Bah oui, regarde. Toujours comme ça, avec elle. Elle, c'est tout de toute façon. Putain. Eh, je t'ai pas dit. La dernière fois, j'ai posé d'autres pétasses là. Qui? Yes. Ouais, en plus, elle est cette meuf, elle a une réputation. Vas-y, essaye. En plus, elle faisait trop la maligne, j'ai envie de la gifler. Elle me dégoûte cette meuf. Vas-y, cette meuf, elle m'énerve. Vas-y.
En plus, je t'ai pas dit, elle m'a fait ouais, est-ce qu'il faut mettre qu'il le pourra après et tout. Salut les filles. Salut, ça va. Ouais, non, du coup, je te disais, c'est une salope. Elle, vas-y, laisse tomber, elle fendait, vas-y. Vous parlez de qui là? Mais Dinès. Ah, j'ai un scoop pour vous. Bah, Dinès. C'est pas par rapport à Inès, hein, c'est par rapport à mon gars. Ouais. Venons, mais avant, je vous raconte. Bah, en fait, mon gars, en ce moment, il est trop bizarre. Comment ça? Bah, la fois, je l'ai croisé avec Asia, elle lui a fait un bisou sur la joue. Eh, mais eux deux, je les vois tout le temps ensemble, ils traînent toujours ensemble. Mais belle à toi, ça se trouve, ils. Il se passe un truc entre eux. Hein. Vous savez pas, il m'a dit quoi? Il m'a dit, il n'y a rien entre eux. Ah, c'est un menteur. C'est un menteur. Je suis grave choquée de lui. Vous avez fait une cheat comme ça? T'as trop bien femme. Je suis grave choquée de lui. Je me sais grave pas comme ça. Écoute, ma belle, tu sais quoi? On pourra pas faire grand chose, mais on va t'aider en tout cas. Donc fais-nous confiance, t'inquiète pas. Ben, en tout cas, merci les filles. Y'a pas de quoi, ma belle. Bisous, salut. Je suis grave choquée de lui. Je suis en plus avec une cheat. Vas-y, ce mec il est pas sérieux, mais. Par contre, avec Inès, là, je te jure que je vais pas la lâcher en fait. Lâche-la, ouais, je lâche la paix, vas-y, c'est une. C'est une sale. Cette pute là, vas-y, laisse tomber. Ouais, mon gars. Yo. Hein? Mais tu crois? Carrément, j'ai encore croisé ta meuf. Vas-y, laisse tomber ça, laisse tomber. Et tu sais quoi? J'ai un vrai plan. J'ai tout calculé, tout manigancé. On le fait tout de suite, ok? Alors dis-moi quel est ton plan. On va arracher. Ah ouais, moi je suis chaud gros. Ah t'es chaud hein. Ah ouais. Tu sais quoi? Moi je vais guetter, je surveille tout ça dans le périmètre. Vas-y guette. Ok. Ouais ouais ouais. Eh, pas de daronne, on n'arrache pas les daronnes. Pas de personne âgée. Ok ouais. T'es chaud? Ouais je suis chaud. Vas-y on y va. On y va. Eh hey, mon gars. Ouais. Tu vois les deux meufs là-bas? Ouais c'est des bonnes cibles ça. Exactement. Ouais. Tu vas, tu fais ce que t'as à faire et moi je te couvre. Vas-y okay? Vas-y c'est carré. Vas-y vas-y. J'arrive. Vas-y. Tonio, c'est mon gars sûr, un vrai pote. Avec lui, on a fait les 400 coups. On se connaît depuis tout petit. Il faut que le plan réussisse. Sans qu'on se fasse cramer. Ces deux meufs me connaissent. Et elles connaissent ma meuf. Il ne faut même pas qu'elle me voie. Ça va se passer en mode daily. Mon bus il arrive dans 3 minutes, donc du coup tiens je te donne ton sac. Comme prévu. Ouais, chacal, on a comme là. Y'a quoi dedans, y'a quoi? Get, y'a pas, fit, c'est quoi ça? Ouais. Ah, je pense à moi. Ah oh ouais, je prends le téléphone. Il faut un chargeur en plus. Bon, je vais aller le débloquer, tout ça. Attends. Et tu sais la meuf, tu la connais? Ouais. J'espère que t'as pas remarqué. Hein. Non, on m'a pas vu, elle sait pas qui je suis, t'inquiète pas, gros. Ok. Elle a pas capté. De toute façon, on va appuyer ça quelque part. Parce que là, on peut nous voir, tu vois. Ouais. Partie voir mon gars là. Sérieux? Ouais. Et du coup avec ton frère c'est comment là? Ouais, tu sais pas, ils se sont battus. Au nom de Dieu. Sérieux, ton frère il abuse. Il devrait grave accepter votre amour. Non mais laisse. Et tu sais pas, il a des réactions bizarres. Hein. Je crois qu'il est raciste. Eh non, on n'a pas été élevés comme ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas avec qui il traîne. Je sais pas pourquoi il est comme ça. Mais vraiment, c'est pas possible. Le jeu d'aujourd'hui, franchement, faire évoluer les mentalités. Hein. Et l'amour est plus fort que la haine en fait. Hein. T'as capté. Elle est folle amoureuse de moi. Elle n'arrête pas de penser à moi jour et nuit. L'amour est un poison qu'elle consomme avec raison. Ah ouais, ton dessin il est bon. Merci, mais s'il te plaît, j'aime pas trop ça. Mais c'est pas grave. Non, je suis trop pudique, j'aime pas ça. Mais j'aime bien ton dessin, t'as bien avancé. Merci beaucoup. C'est un projet que je dois rendre là. Ok, c'est bien, nickel. Mais pourquoi tu veux pas que ça riche? Parce qu'on n'est pas encore ensemble.
Mais c'est pas grave, wesh. Moi, je suis prêt, en fait. J'aime bien prendre mon temps, en fait. Ouais, mais wesh, ça fait un moment. Me presse déjà. Pas. Ça prend du temps, quand même. Me presse pas, parce que ça va m'énerver, sinon. C'est pas facile avec toi, c'est toujours comme ça. Mais c'est comme ça, il faut accepter tout ça. Moi, je suis comme ça. T'es comme ça, en fait. Oui. Ouais, mais laisse-moi prendre mon temps, s'il te plaît. Non, mais en fait, c'est juste que j'ai besoin. Hey, c'est pas toi, Asya, là? C'est pas toi qui tourne autour de mon gars? Mais y'a rien entre nous, hein, moi j'ai rien fait. C'est bizarre, ça, je comprends pas. Toi, attends. Hey, toi, là, si j'apprends qu'il y a quelque chose entre mon gars et toi, tu verras. Je vais t'arracher les yeux, tu vas rien comprendre. Calme-toi, Laurine. Je vais tout expliquer. Mais comment ça, calme-toi? La meuf, elle est en kiss sur mon gars, elle me dit calme-toi. Je veux juste te dire comment ça s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Mais ça s'est passé comment? Dis-moi, explique-moi, là. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que moi, j'ai des sentiments pour lui. C'est quoi ça en fait? Mais je comprends pas en fait. Ah, c'est pour ça que tu me calcules pas? En fait, je suis allée sur tous les gars, frère. Non, en fait, je suis allée lui parler. Je lui ai dit que je l'aimais bien et tout ça, que je vais me poser avec lui. Il m'a dit non, moi j'ai une meuf, je l'aime et je reste avec elle. La dingue, c'est grave, ça m'aurait pas plu. La pauvre Skinner. Il m'a dit qu'il y avait rien entre nous et qu'il voulait qu'il se passe rien. Ah, c'est pour ça que tu me calcules pas en fait. Je comprends pas en fait. Toi, tu peux pas attendre un peu, s'il te plaît? C'est ça, m'énerve en fait. Je suis en train de lui parler là. Bah je m'en fiche, ça m'énerve. Ouais bah tu te tais. Mais c'est comment ça, ouais? Mais toi tu vois pas que je parle. Mais je comprends pas. Parle-moi, frère, parle-moi. Et du coup, ah c'est pour ça que tu me calas pas en fait. Ça y est, t'en vas là. Okay. Et du coup moi je lui ai dit que je l'aimais. Et c'est quoi ça là? Pourquoi tu le dessines? Tu joues à c'est quoi? C'est qu'un dessin. C'est qu'un dessin, t'as pas dit que t'avais des sentiments pour lui? Oui, espèce de vieille meuf. Hein. Vas-y, frère. Vas-y, casse-toi, frère. Vas-y, pas voilà. Mais vous mêlez-vous de vos affaires en fait. Depuis tard, je vois vous rigoler. Là, vous venez me demander je sais pas quoi là. Mais oui, moi je veux savoir. T'as vu comment elle est belle, elle sera mémoire. T'as pas remarqué les footballeurs, ils sortent avec des blanches. J'avoue, c'est vrai. Hein. Mais bon, tu sais que chacun a leur préférence. Mais les blanches, vraiment, elle les calculait jamais quand c'était pour là. C'est nos mecs là. Quand on dit les femmes noires, gnoc. T'as vu les blanches? Vraiment. Attends, en parlant de ça, j'en connais une. Attends, j'ai compris sur Instagram. Ça se voit, elle est avec le footballeur juste pour son héritage en fait. Excusez-moi, mademoiselle. Oui. Mais comment ça? Vous parlez des meufs blanches par rapport aux footballeurs. C'est quoi le débat? Comme quoi on aime leur héritage, on est des michetos. C'est quoi ces préjugés? Bah, j'entends que ça parle des meufs blanches. Voilà. Je suis blanche, je me mélange, c'est normal. Vous, ils ne s'intéressent pas à vous. Ouais. S'ils ne s'intéressent pas à vous, c'est peut-être parce qu'ils s'intéressent pas à les blanches en soi. Quand les Renault, les footballeurs, ils sont enfin, aux pauvres, vous vous intéressez pas à eux parce que vous aussi vous aimez l'argent. Ouais, et alors? Déjà, attends. Pause, ta bouche. Qui t'a sonné? Mais vos affaires. Mais vous arrêtez de demander. Mais vous parlez des dames, des meufs blanches. Je suis blanche, je me mélange. D'accord. Mais c'est pas ton souci. J'ai déjà parlé avec ma soeur. Tout de suite, je peux te profiter. On t'a demandé chez vous. Allez, voilà, elle est bien. Je disais d'être montrée celle qui est voilà, je vais vous montrer. Je vois. Même l'argent d'elle. Elle aime ça. Alors qu'elle. C'est les belles, elles peuvent s'entretenir toutes seules. Non, elle sait pas. Tu es jolie, ma chérie. Entre-toi toute seule. Attends. Oh. Hey, Sierra. Oui. Viens. Hey, t'en penses quoi des footballeurs noirs qui sont avec des blanches? Ferme ta gueule. Footballeurs noirs. Oh, c'est bon, on peut même pas parler ici, là. Attends, mais. C'est qui elle, là? C'est une connaissance. Connaissance. Comme pas de footballeurs ou noirs, tout ça. Hé, hey. C'est bizarre, hein? Noir, arabe, blanc, asiatique, c'est la même chose. Bref, ta meuf, tous les jours, elle m'embête à propos de tes affaires, que j'ai rien à voir. Tu veux jamais me dire c'est quoi le business, et maintenant ta meuf, elle est contre moi. Attends, mais j'hallucine, là. Je parle, tu hausses le ton. T'es ouf, toi. Après tout ce que j'ai fait pour toi, t'es malade, toi. Tu me parles du business. Tu peux pas le dire en public comme ça devant tout le monde. Hé, hey, j'espère que t'es prête à taffer pour moi. T'es ouf, toi. Il a vraiment de la chance qu'il m'a sauvé la vie, sinon j'aurais vesqué depuis. Hey, franchement, demain, viens encore. Hein. Tu m'as trop manqué. C'est trop chiant quand t'es pas là, la vérité. Bon, je te laisse, donc on se voit demain. T'inquiète, hein. Okay, vas-y, à demain. Hey, je sais que t'es mon frère, mais j'ai archi pas depuis que t'as réagi tout à l'heure. À cause de toi, t'as niqué le coup, mais faudrait plus jamais nous parler. Écoute-moi, je suis pas raciste. C'est juste que je vais te protéger. Mais tu réagis comme un raciste en fait. Mais non, désolé. Tu sais quoi? J'ai mal réagi, mais je suis vraiment content pour toi. Bah voilà, ça c'est mon frère.
la maison, hein. Tous les jours, il demande à mon petit frère, il dit il sait pas. Aïe, comment tu sais pas? Aujourd'hui même, il est invité, aussi content comme ça. Eh, hey, faut venir un peu. Mais oui, mais j'ai pas eu le temps de venir en fait. Pourquoi? En plus, il se passe trop de trucs là en ce moment. Il s'est passé quoi? Bah, ton frère, il côtoie une autre fille. Calme-toi, Laurine. Je vais tout t'expliquer. Mais comment ça, calme-toi? La meuf, elle est en question. Mon gars, elle me dit calme-toi. Je veux juste te dire comment ça s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Mais ça s'est passé comment? Dis-moi, explique-moi là. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que moi, j'ai des sentiments pour lui. C'est quoi ça en fait? Mais je comprends pas en fait. Ah, c'est pour ça que tu me calmes pas? Je suis allée la voir, je suis allée la menacer et tout. Elle est amoureuse de lui, la fille. Hein? Et je sais pas comment réagir en fait. Lui, sa petite taille, sa tête jaune là, lui aussi, femme le drague. Hein? Seigneur. Du coup, tu comptes faire quoi? Bah, je sais pas. Hein. Et même pour son plan, il veut rien me dire, je comprends pas. Moi-même, je t'ai dit la dernière fois, là. Ça fait une semaine. Il a pas encore vu. Il n'a pas dodo à la maison. Il dort pas à la maison. Ah oui. Sûrement, il marche à les petits voyous du quartier là. Tous les jours, il lui parle. Il veut pas m'écouter. Il a pu. Il sait mieux pas ce qu'il a fait de lui. Mmh. Bon, tu allais où comme ça? Ben, j'étais en train de me promener. Ah bon? Oui. Bon, viens, on marche alors. Mais dis-moi, tu sais quoi avec une marche? Alors, je voudrais écouter une fille qui s'appelle Inès. Attends, attends, je te rappelle. Tu veux quoi? Comment ça, tu veux quoi? Elle a craqué ou quoi? Calme-toi, ma bête. Mon frère, il dort pas à la maison pendant une semaine. C'est chez toi, il dort. Mais attends, c'est bon pour m'accuser là? Il fait, mais attends, c'est chez toi, il fait ça? C'est ton frère, le bandit. C'est lui, le bandit. Oui, c'est bien. Toi, ton visage, j'ai mélangé ça. Oui, mec, c'est le bandit. Ton frère, c'est le bandit. Tu vas me dire ça? Oui. Mais c'est quoi ça? Mon frère, il dort pas pendant une semaine à la maison. Je demande, tu m'as touché. Tu m'as poussé. Tu m'as poussé. Allô? Ouais, allô Alicia, tu me sauves la vie, merci de me répondre. Oh là là, c'est la merde. Ça va? Bah non, pas tellement, à cause de mon frère, je viens de me faire virer du foyer. Merde, pourquoi? Bah il a ramené de la drogue aussi, lui, il est con, il fait que de la merde. T'es où, tu veux que je vienne? Je suis à Nation, devant la porte du foyer. Ok, bon, on se rejoint à Nation. Ouais, c'est merci, tu me sauves la vie. Bisous. Bisous à toutes. À toutes. Quand elle est dans la merde, c'est toujours moi qui l'appelle. Thank you.
putain, il est où le sac? Bah attends, j'ai peut-être le numéro d'une famille d'accueil si tu veux. Ah ouais, je veux bien, je peux passer le numéro? Ouais, tiens. Vas-y, je vais noter. Merci. Ah cool, super. T'inquiète, en plus ils sont grave cool, des amis de mes parents. Ah, tu les connais? Ouais. Ah. Allez, viens, on prend ta valise, on y va, tu vas voir. Ma meuf, en fait, tu te connais toi? Pourquoi tu essaies de gérer ma meuf, gros? Hein? Pourquoi tu essaies de gérer ma meuf? Pourquoi tu veux gérer ma meuf, frérot? Hein? Je la connais pas. Asia, tu la connais bien, elle t'a dessiné. Pourquoi tu veux gérer ma meuf, frère? Hey, mais c'est toi, tu veux gérer ma meuf, en fait. Hey, tu me touches toi? Je comprends pas. Tu me touches toi? Tu veux quoi, en fait? Tu me touches pourquoi toi? Pourquoi tu veux gérer ma meuf, en fait? De quelle meuf tu parles, frère? Tu te bats les couilles. Pour qui, tu la gères pas, frérot? Vas-y, tu veux gérer Asia, frérot? Vas-y, dégage là. Je sais pas, t'es dans mon checka là. Tu verras quoi? T'es niqué la bouffon va. Ouais, tu veux niquer? Tu niquer? Ouf lui. Putain. Cette petite me ramène des problèmes, c'est un truc de malade. Putain. Hé, hey, toi, je t'ai à l'œil. T'inquiète pas. On verra. Bouffon. Il y a trop de trucs qui se passent en fait. À cause de The Grimm, j'ai trop de problèmes. Comme c'était ses affaires, il m'a ramené au comico. Puis la poignardée un mec qui arrête pas de me harceler. Et puis maintenant, sa meuf et sa soeur m'ont sauté dessus. Et maintenant, j'ai perdu mon sac parce que quelqu'un me l'a volé parce qu'on était en train de se battre. Donc tout ça là, tout ça, ça s'est passé en une semaine. Oui, en une semaine. Tu m'as rien dit. Mais je pouvais pas. La personne qui m'a harcelé a volé mon téléphone. Et puis en me battant, bah, on a pris mon sac. C'est lui ton pote? Il a forcé avec moi. Qui est lequel? C'est lui qui a pas de capuche en fait. Les gars, je suis dans des vrais bails en ce moment. En mode bang bang. Bang bang. J'espère que ça peut encore en parler. C'est déjà. Ah ouais. La semaine prochaine, dans le coup, les gars, si vous êtes chaud, on fait ça. Semaine pro. Semaine pro. Oui, c'est lui qui a forcé. Toi, t'as forcé, t'as forcé. À quel moment lui il a forcé? Moi j'ai forcé moi. Moi j'ai forcé moi. Moi j'ai forcé. À quel moment j'ai forcé? Elle peut passer pour un forceur. Arrête de faire passer pour un forceur. Arrête de crocher. Crocher ton pote. Mais c'est toi qui as forcé moi. La forceur, tu me mets à l'eau. Tu forces un prolo. Tu forces maintenant. Tu frottes à la honte. Va là-bas, sale prolo. Arrête de frotter quelqu'un. Arrête de frotter quelqu'un. La vie de ta mère! Sérieux? C'est dingue, wesh! Pourquoi il a fait ça? Je sais pas, c'est elle qui m'a dit, mais. C'est à cause de toi, wesh! Tu vas venir, venez, on y va.
je pense qu'on va arrêter de se fréquenter. Tu vois. Et si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là, même en cas d'urgence. Mon urgence, c'est toi. C'est ce que t'as pas encore compris, je pense. Je veux pas qu'il y ait distance entre toi et moi. Ton urgence, c'est moi. C'est impossible. La dernière fois, ton mec est venu me menacer. Quel mec? J'ai pas de mec. J'éprouve rien pour lui, je ressens rien pour lui. C'est toi que je veux, je te dis à dire. Je veux rien avec lui, je ressens que des choses pour toi. Oh là là. Il m'a menacé. Il est venu, ouais, ma meuf, Asia, Asia. Pourquoi tu veux gérer ma meuf, frérot? Hein? Je Asia, la connais pas. Asia, tu la connais bien, elle t'a dessiné. Pourquoi tu veux gérer ma meuf, frère? Je t'ai dit que c'était pas mon mec. Ma meuf, ma meuf. Hey, fallait le voir, c'était un truc d'eau. C'est pas mon mec. C'est toi que j'aime. Me brise pas le cœur, s'il te plaît. Tu sais quoi? Je vais réfléchir. Je vais réfléchir, c'est bon. Arrête de me regarder comme ça, là. Elle passe tout le temps dans cette ruelle. Mais gros, tu sais, quelle heure il est 10h30, 10h. Elle est tout le temps là, 10h. Attends, je crois que c'est elle. Dis quoi? Je t'envoie des messages, des appels, tu réponds pas. C'est quoi le délire, là? Hey, je regrette ce qui s'est passé cette nuit-là et j'avais trop bu, s'il te plaît, laisse-moi. Attends. Je te parle sincèrement avec mon cœur. Regarde, là, je suis super bien réfléchi. Écoute, là, je te parle sincèrement avec mon cœur, là. J'ai grave envie de me poser avec toi. T'es sérieux, là? Je suis super sérieux. Non. Après, tu parles derrière mon dos, tout de suite. Écoute-moi, attends, j'ai pas fini de parler. Regarde, là, je suis super sincère avec toi. On est face à face. On se peut se dire les choses, tu vois. Ça sert à rien de... Comme quoi, que t'as une meuf? Comment ça, une meuf? Là, je te cache rien. Elle est venue m'a blessé et après ça, tu me traites dessus. C'est pas ce que tu crois. Mais tu as bien dit qu'il laisse la peau. Certes, j'ai dit ça, mais c'est pas ce que tu crois. C'est des faux amis, ce que je dis. Écoute-moi, regarde. Là, c'est des choses qui sont passées. Je m'excuse, tu vois. Et là, maintenant, je vais passer à autre chose. Viens, on recommence tout à zéro, s'il te plaît. Aujourd'hui, oui. Vous avez fait quoi? On a fait du calcul et du français. Ça va, c'était pas trop fatigant? Non. Attends, reste ici. Elle doit me surveiller, mais elle me laisse toute seule. T'as vraiment lâché ta mère? Non. Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Oh. Et toi, tu fais quoi avec mon mec? Il vous arrive quoi là? Tu fais quoi avec elle? Y'a rien, wesh. Tu fais quoi avec elle? Y'a rien, j'arrête pas. Arrête de manquer, c'est trop, tu fais dans un cas là alors. Avec qui est-ce la pute en plus, t'es sérieux? Et toi, tu fais quoi avec mon mec? Moi, je suis une pute? Ouais, t'es une grosse pute. Mais peut-être lâche pour une pute, hein. Tu fais quoi? Il veut être avec moi. T'es sérieux là? Y'a rien, wesh. Écoute-moi bien. Toi et moi, c'est fini. Tu dégages. T'es sérieuse là? Tu me gifles devant tout le monde, en public en plus. Et alors tu fais quoi qu'il laisse la pute? Ouais, t'es malade ou quoi? Vas-y, vas-y, casse-toi gros. Et casse-toi, tu sais même pas l'histoire. Et vas-y, me casse, c'est bon. Voilà, vas-y, va là. Vas-y, moi plus gros. Casse-toi. Allez, salut. Casse-toi alors. Je veux plus le temps dans ma vie, je veux plus jamais te voir. Fadna, ce bagarre, c'est pas un bon exemple pour les enfants. Eh, je te jure, voilà, j'ai pété un pont. Wesh, attends, je te rappelle. T'as bien vu, non? Tu faisais quoi? Tu fais quoi? Ça fait 30 minutes que je t'attends là. Je suis désolée, je t'ai dit de me bagarrer avec Inès la pute là. Ah ouais? Ouais. Et pourquoi? Laisse tomber, c'est mon histoire et que vous avez le droit de m'en mettre et tout. J'ai pété un câble. Les deux là, je vais plus jamais les revoir. De toute façon, tu me raconteras après, je vais aller ramener la petite à son père. Y'a votre souci. Salut. Je ressens rien pour toi. Mais je t'ai rien fait. Tu m'as rien fait, oui, mais je ressens rien pour toi. Ah,
après je sais pourquoi, c'est à cause de Chip d'Eclipse là. Pourquoi tu parles de lui en fait? Si, c'est ça. Non, c'est pas à cause de lui. Il n'y a pas eu de début, il n'y a pas de... Je ne veux rien de toi. C'est fini. Pourquoi c'est fini comme ça? C'est pas les petits voyous là. Tiens, lui-même je vais les chercher. Vas-y, ton petit frère où? Je sais pas où il est ton frère. Tu parles. Et puis je sais pas où il est mon frère. Mon frère est où? Pourquoi toujours tout le monde me demande où il est? Parce que c'est avec toi, il marche. Mon frère est où? Il marche pas avec moi. Il marche pas avec toi. Je l'ai jamais vu avec toi. Et puis tu mens. Mon petit frère est où? Il a dit mon petit frère est où? Je dis je sais pas. Yaya, arrête. T'as arrêté quoi? Tu me tiens comme ça? Et puis quoi? On est plus des enfants. Ah bon? Et puis il s'arrange. Je suis ton égal. Non. Je m'en fous de tout ce que tu vas dire. Je m'en fous. Je veux plus te voir avec lui. Tu as compris? Ouais. Et puis tu vas pas à l'école. C'est lui là, il fait des trucs bizarres, il va pas à l'école, il gère le quartier, il gère toutes les affaires. C'est pas mon problème, toi je veux plus te voir avec lui. Tu as compris? Réponds, tu as compris? Parce que si je te vois avec lui, tu me connais dans le quartier, tu sais que moi je rigole pas. Ouais, je sais. Si je te vois avec lui, c'est grave. Et puis vous ne partez pas à l'école, vous êtes ici. Si, on va à l'école, t'inquiète pas. Tu me pousses. Ouais, mais... Bon, j'ai compris. N'allez pas à l'école, regarde. C'est qui frère? Putain, c'est la grande sœur frère, c'est la Yaya. Genre elle arrive comme ça et te... Elle te malmène. Hein? Vas-y, elle parle pas fort, elle c'est dingue. Hein. Elle te malmène. Toi tu rigoles pas, c'est la grande sœur de Zodimon. Oui. Voilà les gars. Non, c'est dingue frère, vas-y. Non, tu vois, c'est des cadets frère. Oh là là, putain j'ai le seum, ils ont tué notre pote là, grave, on a perdu un ami, c'est... Yo les gars. Hey, le gars qui a tué Dovine là, il faut qu'on se venge contre lui, sinon ça va pas comme ça. Mais c'est qui en fait? C'est un gars là, petite taille comme ça, il a la teinture jaune. C'est un mec bizarre comme ça dans le quartier là-bas. Ils ont parlé de vengeance là. Ah ouais? Ah ouais? C'est sérieux là? C'est une blague. Pas se venger. Ça sert à rien de se venger. Comment ça, ça c'est un flèche qui est non, on va se venger. Il faut qu'on se venge contre lui. Lui, il peut pas tuer notre frère comme ça et puis il s'étale dans le sac. Ah non, c'est pas. On s'en fout, on va se venger. Je suis choqué, franchement. La vengeance, ça mène à rien en fait. Ouais, c'est pas n'importe qui qu'on a perdu. Ça va faire trop de morts après. Bah non, on s'en fout de ça. Il faut nous, les gars, on va se venger. Ça va pas le refaire revenir. Mais il est mort, il est mort. Il est mort, il est mort. Le mec là aussi, il traîne dans le quartier, on le voit. Nous, on va se venger. Ça sert à rien. Ça sert à quoi? Tout par la violence, ça sert à rien du tout. On va changer la situation en fait. On résout pas tout par la violence en fait. Il est mort, il est mort. Ça ne se venger. Mais non, ça sert à rien de se venger en fait. Franchement, mon gars. On va se venger. Nous, on va se venger. On s'en fout, je ne sais pas. On va se venger. On va se venger. La violence, elle résout. Mais oui, mais ils ne veulent pas grandir. T'as beau leur parler, ils ne comprennent rien. Il se passe trop de choses en ce moment. Léana, t'es contente, tu vas aller voir ton père? Oui. C'est bon, je t'ai ramené ta fille. Papa! Ah, Léana, ça va? Oui. T'as grandi. Eh, je suis contente de te voir. Oh, là. Ça, c'est ma fierté, c'est mon sang. Alors, et quoi tu sais, je suis allée voir Asia. Ah ouais? Je l'ai embrouillée et tout, je l'ai parlé. Hein. Et elle m'a dit que ça venait pas de toi et tout, et que c'était elle qui te kiffait, tu vois. Et de toute façon, là, l'histoire, elle est finie. Voilà, je t'avais dit quoi? Je n'étais pour rien, moi. Je n'étais pour rien. La meuf est là, elle vient me gérer, tout ça, c'est une petite. Tu m'avais pas cru, tu pensais que je vais te tromper, mais non, je te trompe pas. On a quand même une fille ensemble. Bon. Oui, on a une fille, mais je voulais te dire ça aussi. Faudra que tu t'occupes de Léana, parce que c'est pas mes parents qui vont la garder. Ouais, je sais, t'inquiète pas. Et en plus, on a fait un enfant à deux, donc... Y a pas que mes parents, ok? Je vais m'en occuper, t'inquiète pas. À chaque fois que tu dis ça, tu restes dans la rue, frère. Tu joues à quoi, là? Eh, si je suis dans la rue, c'est pour faire du ralice. Et alors? On a fait un enfant à deux, non? Ouais, je vais garder ta fille aussi. T'inquiète, je serai là. Tu veux quoi? Tu veux des gâteaux, des bonbons, hein? Tout. Mais s'occuper de son enfant, c'est pas que acheter des bonbons. Ouais, j'essaie, okay? T'inquiète pas, je serai beaucoup plus présent. Je vais venir te chercher souvent à l'école, ok? Là, tu vas dire, mon papa, il est là, tout ça. Ok? Ça va? Oui. Tu veux quoi? Alors, je veux un iPhone 12, des Air Force
une géante licorne, du McDo tout le temps, du Burger King, du KFC, tout ça, tout ça. Tous les parents, ils viennent chercher leurs enfants et moi, je suis la seule à rentrer seule. Oh là là, mon petit cœur, t'inquiète pas, je serai là tout le temps pour toi maintenant, ok? C'est promis, hein? Allez, petit doigt, papa, il t'aime. Bon, je vais me balader avec elle, ok? Bisous. Ah, je sais pas du tout, les gens se trompent dans la vie. Oh, bon. Merde. Bon, merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Mais comment je vais faire? Pourquoi elle m'aurait menti? Je le cherche depuis toujours, je demande à sa camarade du coup. J'ai envie d'aller dans un terrain de jeu, faire du toboggan. Ah, tu veux faire du toboggan? Oui. On va y aller, hein. Il y a Tata Jess là. Tata Jess! Hey, ça va mon bébé? Oui. Ton père il est là? Oui, il est là-bas. Ça va toi? Oui. Je vais te chercher. Viens ma copine. Ça arrive. Yézi, tu t'es passé où? Non, Tu bégues toujours quand je t'attrape, tu bégais. Tu étais où? Je faisais des petites affaires là. Petites affaires. Toi aussi tu fais affaire. Je suis allé voir ton ami voyou là, avec qui tu marches tout le temps. Il m'a dit c'est toi là, le président du... Donc maintenant tu es dans gang maintenant, donc tu es président de gang. Jusqu'à tu es président de gang. Il est dedans, il est vu. Maman nous a laissé là, c'est ta camarade. Hé, t'as vu? Tu me pointes du doigt. Maman nous a laissé là, c'est pour que tu sois dans gang. Jusqu'à tu es président de gang. Faut te regarder. Regarde-toi. Tu ressens ma gang. Tu ressens ma gang. Tu me veux quoi même? Tu me fous le plat, tu me veux quoi? C'est bon. Tu me veux quoi? C'est bon, il me fatigue, il me fatigue. On est en public. Il te tape, tu vas voir. Il faut le taper. Pourquoi t'es gâté, un bébé? Ton papa, il n'est pas bon. Il faut le cadrer. Il faut que je le recadre. Il n'est pas bon. Il faut aller prendre l'argent à la maison là-bas. Il y a tata qui dit de venir prendre l'argent, tu vas l'acheter à la pharmacie son médicament. Fais vite là. Quand ta soeur te parle, fais cours. C'est modèle. Et puis à la maison, hein. Il n'y a pas dit avec la maison, à la maison. Regarde. Vilain garçon. Allons à la maison. Allons, tu vas avec nous. Elle est là, cette sorcière là. Salut, ça va? Franchement, c'était chaud de ouf. On finira à Ido. Mais grave, ça. C'est abusé. Hey, c'est pas la meuf du cas qui a fait mal à notre pote là? Si, je crois. Ah ouais, vas-y, viens. Excuse-moi, oui. T'aurais pas un mec, même il est petite taille et tout, il est une teinture blonde? Si, pourquoi? Nos potes, ils veulent attraper ton gars, il est dans la merde, là. Ah ouais, mais c'est super chaud, hein. Tu devrais faire attention. Hein. Mais tu sais qu'au funérailles, c'était chaud de ouf, hein. Ils sont déter. Hein. Quoi? Il a fait quoi? Mais il a attrapé un gars de chez nous, en fait. Ah ouais? Il l'a tué, hein. Tu sais, on a bah non, j'arrive pas, tout le monde est au courant. Putain, mais en tout cas, les filles, merci de m'avoir tenu au courant, parce que là... En tout cas, fais attention. Je vais faire attention parce qu'on a... Salut. Putain, j'arrive pas à y croire. Il a tué quelqu'un. Mais il est pas comme ça, j'arrive pas à y croire. En tout cas, si c'est vrai, je comprends le pourquoi il voulait rien me dire. Mais c'est pas un bon exemple pour ma fille. Faut pas qu'il la garde s'il fait ça. Voilà, on va aller blesser ce gars-là. Hé, il est où ton gars? Je sais pas, j'ai dit, enlevez le voile là. Mais je sais pas où il est. Il est un homme mort. Ouais, on prend ton gars, il est dead. Je t'ai dit. Hey, tu sais mais quoi, moi j'ai rien fait. Tu sais quoi, moi j'ai parlé de rigoler sur ton mec, je le vois, voilà, il va avoir un médecin. On va l'étrangler. Parce qu'on va les frapper comme un poulet. Ça y est. Mais j'ai rien fait, c'est bon. Il est comment ça t'arrive de ton gars? Il est où ton gars? Ok, laisse tomber. Je sais pas. Ok, on va l'attraper. Il est mort déjà, il est foutu. C'est bon, voilà. Ça, c'est un son. Et là, ce soir, on va accrocher au couture.
Comment ça tu me jettes pas? Eh gros, tu sais ce que t'as fait là? T'as allé voir ma grande sœur, tu la tout balances comme ça là. Lui là, il fait des trucs bizarres, il va pas à l'école, il gère le quartier, il gère toutes les affaires. Mais t'es ouf toi, on mélange pas le business et la famille, n'est-ce pas les gars? Putain, mais tu fous la merde là. En gros, j'ai trop de problèmes à cause de toi en ce moment, j'ai trop de problèmes, ta sœur elle me met la pression frère. Putain. Et alors, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, frère. Eh, moi j'arrête tout, frère, j'arrête tout. Quoi? T'as dit quoi? Non, j'arrête tout, gros. T'as dit quoi, mon gars? T'arrêtes tout. J'arrête tout. Eh, on a dit ensemble, on a braqué ensemble, on a volé ensemble. Et tu vas arrêter là? Tu vas arrêter? Eh, t'as cru que c'était les coups pour arrêter? Je t'ai dit comme toi, mais toi. Du temps, frère, je t'en fais pas, gros. Ah, lâchez-moi, les gars, lâchez-moi. Les... Tu vas tirer dessus, ouais, j'en ai en plein. Ouais. Ah oui. Gros. On est comme des frères, tu me balances toi ma soeur comme ça. Arrête ça, mon gars. Toi aussi, t'as raison. Ouais, mais bon. Eh, dans ma famille, ils savent pas ce que je fais. Hein. Je suis respecté dans la famille, les gars. Oh. Okay, okay, en plus, j'ai du mal chez moi. Je travaille pas. Il y a des gars qui te cherchent, ma gueule. Il y a des gars qui te cherchent. Dans tous les cas, il y a des gars qui te cherchent, ma soeur. C'est réel. De quoi? C'est réel, ça. Il y a des gars qui te cherchent, ma gueule. C'est parce que t'as fait. Mais je peux pas t'abandonner, comme ça. Eh, fais plus ça, mon gars, tu sais, t'es mon gars sûr quand même. Ouais, t'inquiète. Et là, y'a des gars qui te cherchent, gros, c'est le plus important. Là. La raison, c'est le plus important, mais moi, c'est plus deux. Non, c'est lui, moi, c'est plus deux. Bon, les gars, moi, je vous laisse. Vas-y, check, quoi. Vas-y, y'a rien, tranquille. Faut la faire. Excuse-moi quand même, excuse-moi. Faut quand même ma gueule, wesh. Putain. Ah ouais, il a pété sa tête, mon frère. Ah, lui, il a pété sa tête. Mais hein. Les gars, en vrai de vrai, c'est qui le cherche? Je sais pas c'est qui le cherche, hein, mais voilà, venez, on y va, wesh. Venons, on dans la Gova, on prépare un plan. Venons, on dans la chop. Vas-y, gros. On prépare un plan? Ouais. Allez. Merci, mon gars. Bon, les gars. Ouais. C'est comment, on y va? On y va ou quoi? Eh, moi, je suis chaud, hein. Okay. Eh, venez. Non, on avance. Mais attends, par contre, moi, je sais pas c'est qui, les gars. Eh, mais en vrai, je crois savoir, c'est des McDo, hein. C'est des McDo. Les McDo d'en bas, wesh. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais carrément, ça sert à rien de parler, vas-y, venez, on y va. C'est mort. Wesh, wesh. Wesh, il a mis le tambour. Wesh, c'est le mec tambour. Wesh, ils vont où là? Ils cherchent Crims, c'est sûr, ils cherchent Crims. Wesh, putain, faut appeler les autres. Six mois. Je retrouve ce bâtard là. Ils sont où mes sous? En fait, mon gars, ton bif, j'ai utilisé ton bif pour soigner mon bras. Je me suis fait niquer par 15 mecs. Et je m'en bats les couilles. Ils sont passés où mes sous? Écoute, c'est avec ces sous là que je suis allé à l'hôpital, les soins ont coûté, j'en ai utilisé. Frérot, je m'en bats les couilles, 50 000 euros frère, ça fait 6 mois que je te cherche. Mon gars, laisse-moi 2 mois pour réunir cette somme et je vais te les rendre. Écoute-moi petit bâtard là, les 50 000 euros, tu sais comment j'ai fait pour les avoir? 50 000 euros putain. 24 heures, 24 putains d'heures, si tu me les envoies pas, je te tue, tu comprends ça? Petit bâtard. Malin toi, malin. Eh vas-y dégage là. Je te rends rien du tout. Ah ouais. Ouais. Tu peux la jouer comme ça maintenant. Ouais. Ouais. Ah ouais. Vas-y dégage là. Eh sinon je te dégage. Vas-y là putain. Ah ouais. Ah ouais, tu veux la jouer comme ça maintenant. Tu fais le con avec moi. Tu sais qu'on est en tôle ensemble. Bouffon là. Oh mon gars, je viens de sortir de la prison, ok? J'avais juste de régler le compte de la personne qui a tué mon frère jumeau. Bravo. T'inquiète pas, on a déjà réglé son compte. Ok? Fais pas de bêtises. Tout ne me doute pas! T'as carte au roi, mais doute pas! Quoi, là, tu fais quoi là? C'est pas toi qui as perdu un frère, c'est moi qui ai perdu un frère. Je sais bien, mais frérot, tu dis bien. Je sais bien que t'as perdu un frère. On a déjà réglé son compte, tu fais quoi, mon gars? Fais pas de bêtises.
T'es fou ou quoi? Je t'ai dit, mais touche pas quand tu parles. Tu viens de sortir de la prison, tu viens encore retourner de la prison, c'est ça? Mais on a déjà réglé son compte, je te dis, mon gars. Eh, hey, mais touche pas, mon gars, mais touche pas. Fais pas de bêtises, je te dis bien. Tu fais quoi là? Tu fais tout ce que j'ai appris à la prison, moi. Mais je m'en parlais plus, je viens là. Mon gars. Mais frérot, lâche-moi quand tu parles, lâche-moi. Écoute-moi. Mon gars, lâche-moi quand tu parles là, putain. Ah ouais? Ah ouais? Tu oses me pousser, frère? Tu t'énerves pour rien alors que tu n'étais même pas en funérailles de ton propre frère. Pourquoi je criais sur moi alors que toi, mais tu n'étais pas en funérailles? Ok, tu vas voir, mon gars. Oh! Yo frérot, attends, Alvin il est où là? Laisse tomber, tu l'as niqué ce micro. Ça va? Faut que j'appelle les pompiers pour toi. Ah ouais, on a manqué de respect. Ah normal. L'avion fantôme ou quoi? Ah ouais, normal, parce que tu recevras ton frère jumeau comme un deux gouttes d'eau. Putain, je rêve ou quoi? Il est revenu des morts comme Jésus? Yo, frère, attends. Tu vois, il a laissé ses deux pieds ici, tu vois. T'as vu? La dernière fois, il fallait même pas bien niquer. Ouais, bah ouais, là il faut le tuer, frère. C'est pourquoi j'ai envie de terminer son cas. Mais je comprends pas, pourquoi il peut laisser ses deux pieds ici? Et puis il faut. Oui, c'est pas ses deux pieds, c'est des béquilles. Ah ouais, il fait que c'est des béquilles. Voilà, tu sais, il y a quoi la prochaine fois? On va l'avoir, ces petits bâtards là. Ah ouais, viens, on bouge avec ça ou pas? Viens, bouge, viens, bouge. J'ai des explications parce que j'ai appris que t'as tué un mec. Je ne lâcherai pas l'enfer. Donc tu l'as tué alors? Attends. Tu m'accuses de l'avoir tué alors que je l'ai juste poignardé, je savais même pas qu'il allait mourir. Putain, mais t'abuses là quand même. Tu sais quoi, je vais prendre mes distances avec toi et je vais aussi retirer la garde de ta fille. Bon, ça va. Salut. Je me présente. Oui. Je m'appelle Alia et je suis une amie d'Asia. Ah d'accord. Oui. Et du coup, je voulais te dire un truc. Vas-y, dis-moi, je t'écoute. Bah, tu m'as dit que je te trouve assez beau, mais j'avais pas osé te le dire, j'avais pas trop courage. Je suppose que t'as 18 ans comme Asia. Ah non, moi j'ai 20 ans. Pas 18 ans. Ah t'as 20 ans? Ouais, ouais. Ok, t'as attiré par moi, tu me trouves beau. Mais je suis en couple. Ah mince. Je savais pas, désolé. Ah, il faut te renseigner. Hein. Ah, mais t'es en couple en fait. Mais on m'avait pas dit ça. Mais après, tu sais, on peut quand même faire connaissance. Qu'est-ce qu'elle fait? Ils sont finis depuis une demi-heure. Je comprends pas. En plus, ce garçon, il a une très 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 mauvaise réputation. Et on va en parler, ou je sais pas, tu vois. C'est quand même à moi de veiller sur mes élèves. Mais j'avais raison, je savais qu'elle aime me piquer.
On dirait des petites gamines là, pour des bonbons. Ouais, je le kiffe pas. Eh ben, j'en ai rien à foutre. Putain. Eh, hey, y'a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Attends, y'a quoi? Pourquoi tu vas pas? Pourquoi tu vas pas à la maison? Aïe, me touche pas. Tu sais quoi? Tu parles pas avec toi. On est pas. On est pas. Bah oui. Oui, bien sûr. Mais, hey, c'est un problème. Aïe, tu lâches ma veste là. Mais comment ça, je te lâche ta veste? Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Je suis votre professeur. Oui, monsieur. Oui, en fait, je crois que vous vous prenez la tête pour quelqu'un. Non, mais c'est bon, vous inquiétez pas. Il n'y a rien, j'essaie de gérer mon mec, mais il n'y a rien. Mais de quoi, il n'y a rien? Bah oui, il n'y a rien. Ouais, bien sûr. Ah, moi, c'est un problème. Oui, mais sachez que c'est un délinquant. Il a fait des choses très malhonnêtes. Il a même tué quelqu'un. Quoi, il a tué quelqu'un? N'importe quoi, il n'est même pas capable de tuer une mouche. Ah, bah si. Ah, bah non. Mais j'étais pas au courant. Je t'assure que oui. Mais pas possible. Bah, me crois pas. Moi, ça me croyait pas, c'est comme vous voulez. Alors les filles, là ça va plus du tout. Va falloir que vous vous concentrez sur vos études. Je suis vraiment pas content de ce qui se passe en ce moment. Vous avez des 12, des 13, alors qu'au début ça se passait super bien. Va falloir remédier à tout ça. Et là il pleut, va falloir que vous rentrez chez vous hélico presto. Ouais, c'est bon, on va bien travailler. Ne vous inquiétez pas, on va bien travailler. J'espère voir de bonnes notes. Oui, oui. Ça marche. Au revoir, et rentrez bien. Vas-y, viens, mais viens, on fait la tête. Vas-y, voilà, va. Mais oui, tu vas pas te mettre pour un garçon. Laisse pas tranquille. On casse pas la tête aussi. Mais là, on est pas dans. Attends, mais toi, t'es normal ou quoi là? Je sais que tu me boudes, ok? Mais t'inquiète, ça va passer. Ouais, c'est ça, ouais, je crois que j'ai oublié. Là, j'ai besoin de vous deux pour une mission. C'est quoi? Ce colis, vous remettez à monsieur M, ok? Et ce téléphone-là, vous n'appelez pas du tout, même pas un coup de fil. Vous devez recevoir son coup de fil et il vous donnera sa localisation et vous rendez le colis, ok? Tiens, fais confiance. C'est moi qui tiens ce sac. C'est pas le sac, c'est le colis. Si, ouais. Tu peux me passer le téléphone? Tu vois, ça fait longtemps que je fais ça. On n'est pas potes, je te rappelle qu'on est là pour une mission. Allô, ma belle? Oui, oublie pas de récupérer la Anna après l'école. Merci. Salut, mais t'es complètement folle. Mais comment ça, je suis folle? Mais il voulait pas qu'on téléphone. J'ai un appel urgent à passer là. Mais il a demandé qu'on téléphone pas avec. Hey, sur mon téléphone, j'ai une batterie, fais pas chier là. Non, en quoi je suis débile, t'as craqué quoi? Enlève ta main, tu vas faire quoi toi? T'es une folle. Mais on est localisé maintenant. Yes. Ha ha ha. Ça y est, on a trouvé la localisation du colis. Super, on va se faire du blé. C'est un appel urgent pour ma fille, elle pensait qu'on l'a gardé. Non, et alors, vas-y. Non, c'est bon, ouais. Tu t'es cru dans un film de fiction, frère. Mais on va nous attraper maintenant, mais t'es débile. Non, c'est bon, viens. Arrête de manger ton tacos, sois un peu plus sérieux là. Ne me parle pas comme ça, je t'ai dit. Laisse-la manger. Je te parle comme je veux. C'est quoi le problème? Lâche-moi. Vas-y, ne mélange pas le travail et le business. C'est quoi ton problème là? T'es qu'un professeur. T'es qu'un professeur. Mais vas-y, allez, vas-y, on y va, allez. Putain, ça fait 2 heures que j'attends. Ils sont où? Ça c'est pas mon problème, je m'en fous. Moi je veux juste aller chercher ma fille, c'est pas mon problème. Alors, moi c'est pas mon problème. Bah ouais, mais bon, on va juste poser le colis et on fait juste prendre la visite. Ils sont là. On y va. Oh, le sang là. Ah!
Pourquoi il m'appelle lui? Il a pas reçu le colis ou quoi? Ouais, allô? Ouais, t'es où? Ça fait 2 heures, j'attends. Je t'ai payé en avance, il est où le colis? Quoi? Attends, calme-toi, calme-toi. Attends, calme-toi, je te jure que j'envoie le colis. Je te jure, j'envoie le colis. Calme-toi, mon gars, calme-toi. Respire. J'envoie le colis. Mais putain, écoute-moi là, je te parle. Putain. Qu'est-ce qui se passe? Putain. Je les appelle tout de suite là. Laurine et l'autre. Messagerie. Et il est où mon colis? Comment ça ton colis frère? Tu sais quoi? Ton colis tu l'auras bientôt. Moi je le veux tout de suite maintenant. Comment ça tout de suite maintenant? J'envoie des gens, ils te passent ton colis et je sais pas les où ton colis frère. Ils sont pas venus, je t'ai appelé, ils sont pas venus. Oh putain, je sais que tu m'as appelé, ils sont pas venus. S'ils sont pas venus, c'est parce que ça s'est pas bien passé frère. Tout de suite maintenant on se règle. Tu baisses ça frère. Tu me menaces moi? Moi je te menace. Tu menaces. Tu vas faire quoi? Hey, sinon ton colis tu l'auras pas frère. Sinon ton colis tu l'auras pas. Attends. Moi je mets mon colis tout de suite. Tes associés ils sont pas venus. Hey frère, c'est pas comme ça le business, tu sais. C'est pas comme ça le business. Tu attends. Et c'est comme ça. J'ai pas de bif sur moi frère. Calme-toi. Oh. Check. Tu auras ton bif et ton colis. Ok? Non, tu auras ton colis, pas ton bif quand même. C'est bon, fais la paix frérot. C'est bon. Je le veux quand même mon colis. Oh, t'es tendu frère. Je t'envoie ton colis, ok? Je dirais que ça. Si j'ai pas le colis, je t'envoie ton bif, ok? Non, je vais signer le frère. Oh, c'est bon. Vas-y frérot. Je veux mon colis. Sinon, on se règle. Tu comprends ça? On se règle. Il a bu ce mec. Il est tendu, on dirait qu'il y a de l'électricité dans sa tête, frère. Sans ouf. Allô? Quoi? Elle est décédée? Un règlement de compte? J'arrive tout de suite. Allô, Laurie? Ça va? Pas trop. Je dois aller à l'hôpital. En gros, il y a ma soeur qui est décédée. J'ai besoin que je m'occupe de la voir. Ça va pas, dis-moi, il se passe quoi? Comme tu étais allée au téléphone, ma soeur elle est décédée. Quoi? Elle est décédée? Oh, mais il s'est passé quoi? Apparemment, c'est un règlement de compte d'après ce qu'il m'a dit. Oh. En plus, c'était pas le ton copain, donc je pense qu'il m'a entraîné là-dedans. Bah, en tout cas, c'est plus mon copain. Bah oui, je pense que c'est lui. En plus, heureusement que je suis plus avec lui, hein, parce que c'est une mauvaise fréquentation. Non, mais ça, c'est vrai. C'est un vieux garçon en fait. Et c'est grave triste. Hein. Non, mais c'est dégueulasse. T'inquiète, ça va aller. Pour l'instant, c'est compliqué. Je viens de l'apprendre. Même moi, ça me fait mal. Et après, je lui avais dit en plus d'arrêter ses bêtises, là, de s'habiller correctement, etc. C'est n'importe quoi. Elle aurait dû t'écouter. Mais oui, c'est ça en fait. C'est grâce à ça. Ça me serait pas arrivé. Voilà, je dois aller à l'hôpital. Tu peux m'accompagner du coup? Ouais, pas de soucis. Merci.
c'est grave triste. Hein. Non, mais c'est dégueulasse. Mmh. Je comprends. T'inquiète, ça va aller. Tu sais qui l'a tué, tu sais. Quoi? Tu sais qui l'a tué? Mais dis-moi, c'est qui l'a tué? Non, je te jure, je peux pas te dire, je peux pas, c'est pas possible. Mais si, il faut que tu me dises, il y a une famille derrière qui est en deuil. Mais c'est des gens que je connais, je peux pas te le dire, genre non, c'est mort. Quoi? En plus, c'est des gens que tu connais, vas-y, dis-moi là. Eh, c'est bon, c'est les potes de Dovin, parce que Inès, elle était proche de The Grims. Et du coup, ils ont voulu se venger, c'est normal. Tu trouves ça normal? T'es sérieuse là? Vas-y, tu me dégoûtes. C'est pas ce que je voulais dire, ça, je voulais pas dire ça, ouais. Hey mec, il est où le colis? J'ai pas le colis. Hey, pourquoi tu dis que t'as pas de colis, frère? Mon boss m'a dit aujourd'hui, seul colis, soit l'argent ou tu bouges pas. Mon boss m'a dit aujourd'hui, seul colis, soit l'argent, soit je bouge pas. Hey, je t'ai dit, j'ai pas de colis, lâche-moi! Wesh, putain, j'ai pas de colis! Tranquille, on a pas le temps, faut qu'on soit payé, on est là pour le blé ou le colis. Voilà, on est là pour le blé. C'est moi, putain. Oui, voilà. Vous avez venu négocier, vous avez vous menacer. Ok, mon boss m'a dit aujourd'hui, tu bouges pas, c'est un colis ou l'argent. Et je traite avec ton boss, je traite pas avec toi et lui. Et là, t'as peur, là, t'as le seum. J'ai pas t'as peur. T'as vu, non? J'ai pas le seum. Ok, seul. T'as pas peur? Ouais. Ok, je te donne 3 jours. 3 jours? Tu te donnes pas le seum. Qui me donne. Attends, c'est toi qui me donne 3 jours, c'est mon boss. Nous, on est mon ici, mon gars. On s'en fout le boss. Laisse-nous faire. Ici, c'est pas le boss qui décide, c'est moi qui décide. Eh, votre boss là, je donne rien du tout. Pas de bif, pas de colis. Okay. Putain. C'est quoi, hold on 3 jours. On peut pas la laisser, frère. Non, laisse tomber. Hold on 3 jours, il va réfléchir. C'est ça. Je te donne 3 jours. 3 jours. Ok. Tu me donnes pas le colis ou l'argent, mais t'es mort. On y va. C'est bon. Donc on est fini pour rien. On va y aller, on n'est pas venu pour rien. Laisse tomber. On va lui donner le temps. Vas-y, dégage. 3 jours. Voilà. Dégage. C'est bouffon. Ils savent pas qu'ils ont à faire. Il n'y aura pas de couilles. Alors écoute-moi bien, respecte-moi. Faut que tu t'occupes de tous ces dossiers-là. D'accord, ok, je le ferai. Il est censé être par là, mais je ne le vois pas, j'ai fouillé partout là. Qu'est-ce qu'il fout dans ma zone lui? Je viens de te parler là. Sérieusement. Parce que le temps est grave. Tu connais mes gars, mes anciens gars là, tu vois. Avec qui je traînais là. Tu les connais? Ouais, je connais tes gars. Ok, je viens de te parler parce que actuellement ils sont en train de te chercher. Ils veulent ta peau, mon gars. Ok? Ils veulent quoi, ma peau? Mon gars, c'est pas drôle. C'est ce que je suis en train de te dire. Le temps est tellement grave que je suis venu te chercher. Depuis là, je suis en train de tourner dans l'environ où ils m'ont dit que tu traînais par là parfois. Donc je suis venu te chercher. Eh, hey, stop. Tu sais que vous et nous, c'est la guerre. Mon gars. Eh, hey, enlève ta main là, putain. Mon gars, je sais. Eh, hey, tu viens dans mon territoire, tu le ouf. Écoute, je sais très bien que t'es énervé, tu comprends. Mais là, je suis là pour te parler parce que mes gars, ils veulent ta peau. Et là, j'aimerais bien qu'on se mette ensemble parce que là, moi, je me suis cassé. Ils veulent quoi, ma peau? Est-ce qu'à l'école tu étais bon en maths? Bah oui. Bah ouais? Oui, très bien. Chez eux c'est moins 1. Oui. Faut rien dire quelqu'un là-bas. Et c'est quoi le rapport? Bah. Ça veut dire que si déjà j'ai rafalé là-bas, mon gars, je peux rafaler une deuxième fois. Mon gars, hey, écoute-moi, hey, t'as une fois sans moi là. Mais écoute, ouvre les yeux. C'est ta vie qui est en danger, mon gars. C'est pas la vie d'une autre personne. Tu comprends un peu? J'ai la sécu. Ta vie est en danger. J'ai la sécu. T'as la sécu ou pas? Bien sûr. Bah, moi aussi j'ai la sécu. Eh, hey, ma sécu c'est le 9 mm. Mais ok. Ok. Je comprends tout ça, mon gars. Maintenant, tu sais ce que je veux bien. J'aimerais bien qu'on se mette ensemble. Ensemble? Oui, toi et moi. On va les faire du agra, mon gars. Parce que moi, je suis prêt à boire leur sang. Tu bois du sang? Bah. Eh. Hey. Je te fais confiance. Fais-moi confiance, mon gars. Ok. À 100%. Je suis prêt à me mettre avec toi qu'on les fasse de la guerre, mon gars. Ok. Ok. T'aimes les cacahuètes? Bah, bien sûr, mon gars. Elles sont bonnes, les cacahuètes, hein? Ouais, elles sont grave bonnes, mon gars. Ah, elles sont grave bonnes, hein? Elles sont empoisonnées. Quoi? Bah, ouais.
Non, je rigole, mon gars. Si elles étaient empoisonnées, je les aurais pas mangées, quand même. Gars, tu m'as fait flipper, là. Eh, hey, tu sais quoi, j'ai des choses à faire. Check. Vas-y. On fait comme ça. On fait comme ça, mon gars. Hé, hey, mon gars, Shadon, je te dis un truc aujourd'hui là. Est-ce que tu sais que Alvin nous a trahi? Il y a les petits qui l'ont vu avec Zegrims. T'inquiète, mon gars, c'est une traite. Il faut qu'on s'occupe de lui. Hé, hey, tu sais à quoi? Ce sont des habités Zegrims et l'autre là on s'occupera après. Tu me donnes pas des ordres, toi. Laisse-moi me tuer, fais mal, je vais te niquer. David, laisse-moi, putain. David, je vais te niquer, master. Laisse-moi me piquer. Calme-toi, depuis que toi t'es là, tu fous la merde, toi. Frère, ne te fais pas comme ça, mais niquer. Mais laisse-moi, je te dis. C'est la merde. Arrête. Qu'est-ce que j'ai fait? Quoi? Je veux me niquer ta race. J'adore. David, t'es venu pour toi. Tu fais qu'à embêter. Tu fais qu'à casser le cul. Y'a quoi? Vous laissez les gens tranquilles. Y'a quoi? Tu vas voir. Non, je vais le niquer. Voilà. Non, je vais te calmer. Essaye. Hé, si t'arrêtes pas, c'est ce que tu fais là. On va te niquer, toi. On va te niquer. T'as capté? C'est pas pour moi. Pour moi, il est bon, mon gars. T'as capté? Vas-y, mon gars, pour moi, il est bon. C'est bon, mon gars. On y va. On va voir pour la prochaine fois. Moi aussi, je t'aime. Toi, tu le prends bien. Tiens, le voilà. Hé, hey, toi, là, viens ici. Viens. Toi, ça fait 2 semaines qu'on te voit plus. Tu étais passé où? Toujours quand on te pose des questions, tu fais cette tête. Je t'ai champote. Son ami. Encore Tonio. Non, un autre, tu connais pas. D'accord. Bref, vu que tu n'es plus avec Laurine, je t'ai envoyé une de mes petites là. Elle est bien, elle va te prendre bien soin de toi, elle va te faire à manger et tout. Moi, je suis fatiguée de toi. Donc, voilà. En plus, je suis une fille bien sérieuse. Je pourrais prendre soin de toi, te faire à manger et tout. Est-ce que tu veux quoi? On va m'énerver, je connais cette terre là. Viens ici. Viens ici. Tu me connais, non? Ouais. La fille qui est là, c'est pas où, là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de mijoter? J'espère qu'ils sont intéressés. On galère à la maison, tu as des problèmes. Tu n'as plus Laurine. Tu as resté seul comme ça, tu as vadrouillé dans le quartier. Ah! Tu veux quoi même? Faut pas m'énerver. Faut pas m'énerver. Moi, mais je peux me trouver de l'argent. Mais voilà. Comment ça t'a trouvé là? Allez, c'est pas moi. Donc, tu m'as. T'inquiète pas. Hein. Au passage, tiens. Va à Château-Richou, tes fiers, tes gifles, fais ton visage bizarre comme ça. Il m'en fout. Hein. Faut pas m'énerver. Je suis très content. Faut pas venir gâcher ma journée. Je vais faire un bon placali. On va manger, on va dire. Tiens. Allez, je vais pas les plaquer les boule-boulin chez ma tante. Il n'y a personne, tu vas te retourner là-bas. Bon, avec tout. Prends bien soin de mon petit frère. Tiens, repris. Putain. On y va. Ouais, les gars. Ouais. J'ai besoin de vous là. Ah ouais? Ouais. Voyez le gars là. C'est gris. Il me doit des sous. Ah bon? Ouais. Et du coup, il faut qu'il termine là. Ce gars, il faut qu'on le tue. Ouais. Parce qu'il a gagné, il a couru, il a moi, c'est ma femme. C'est moi, je perds bien, frère. C'est lui qui a tué mon frère, ok? Et c'est moi qui va régler son compte. Je vais m'occuper de lui. Déjà, toi, calme-toi, tu fous. Les gars, je vais tout vous dire, n'est pas vous parler. Laissez-moi tranquille. Tu les gars, écoute, laisse-moi prendre ma gueule, tu veux qu'on s'embrouille ou pas? Yo, calmez-vous, les gars. Voilà. Yo, les gars. Lui, c'est une traite.
Depuis qu'il est sorti de prison, il s'embrouille avec tout le monde ici dans le gang. Il n'a même pas le droit de parler dans le gang ici. Et toi, ferme ta gueule. Lui, c'est un autre. Je suis pas Mais pourquoi elle se retourne, elle? Hé, hey, Jess! Hé, hey, Jess! Jess, là! Hé, hey, oh, Jess! Salut! Comment ma belle? Oui, toi? Ça va? Ouais, toi? Ouais, ça va. Oh, j'ai appris que tu n'étais plus avec mon petit frère. Oui, je suis plus avec ton petit frère et je lui ai enlevé la garde de Léana. Et pourquoi? Bah, parce que c'est pas un beau-père pour elle! Il a tué quelqu'un! Il a quoi? Il a tué quelqu'un! Tu crois que je vais laisser ma fille avec un père comme ça ou quoi? Ben non, jamais de la vie! Je savais pas, t'es sa grande sœur, tu sais pas ça? Bah oui, j'avoue, tu sais pas parce que tu fais des conneries, tu sais pas, voilà quoi. Mais oui, là, tu es quelqu'un. C'est Grims, tu es quelqu'un. Bah oui. Oui? Mais oui, c'est le ça. Le gars là va me tuer. En tout cas, moi, je veux plus entendre parler de lui, c'est fini, ok? Faut réfléchir quand même. Bah, je vais voir, mais tu vois, je t'ai dit, je peux pas laisser ma fille avec un père comme ça, c'est trop. Là, quand même, tu es quelqu'un, c'est un truc grave. C'est très grave. Mais oui, c'est très très grave. En tout cas, moi je vais avancer, je vais voir. Salut. Hey, tu sais quoi? Je n'ai pas la tête à me poser, ok? Ça ne sert à rien de me suivre tout ça. Ma grande sœur, elle est fort folle dans sa tête. Ok? J'ai pas le temps. Hey, toi là, écoute-moi bien. Maintenant, t'es à moi. Puisque quand j'allais chez toi, j'avais grave un œil sur toi. Wesh. T'es à moi, wesh. Oh putain, j'ai un fou rire. C'est une ouf, cette meuf. Et tu sais quoi? La vie, c'est comme les mathématiques. Et moi, j'ai plein de problèmes, ok? De toute façon, t'inquiète pas, tes problèmes, je peux les résoudre. T'as de l'argent? Ah, ta famille est riche? Ah, je sais, ma soeur me l'a dit. Vous êtes riche, richissime, tout ça. Tu sais quoi? Moi, il me faut des loges. Et toi, reste dans tes loges, tu vois. De toute façon, je te dis, ma famille est riche, non? Ah, c'est bon, moi, lâche-moi, c'est bon, c'est bon, là, calme-toi. C'est pas que tu me plais pas, il me faut du temps. Mais quel temps? Il me faut un peu de temps, là, putain. Mais du temps pourquoi? Il me faut du temps pourquoi? Eh, hey, je t'ai posé, j'étais en couple, ça s'est cassé. Eh, hey, t'as pas raconté? T'as pas raconté. Non, mais tu casses les bonbons, toi. Eh, hey, tu sais quoi? Laisse-moi un peu de temps. Moi, je me plais, moi, je Non, oui, je te fais. Oh, c'est bon, là, putain, putain, t'abuses, là. Mais faut me laisser, c'est comme ça. Ok, on y va. Ok, elle est là, ça tombe très bien. Excusez-moi, c'est bien vous, Donna? Oui, c'est moi. J'ai quelques questions à vous poser. Ok, allez, je vais vous laisser. Allez, c'est pour mon entendre. Vous étiez où lundi 4 avril? J'étais malade. Quelqu'un peut-il me prouver? Bah oui, ma soeur. Vous connaissez bon certains dénommés Dozy? Pas du tout, je connais pas. Tiens, je vais l'interroger ces jeunes-là. T'as vu ça? Et attends, on voit jamais ces gens de meufs par ici. Ah ouais, c'est... Police. Eh, moi, j'ai pas fait partie. C'est quand la dernière fois que vous avez vu? Je la connais pas, c'est pas notre ami. L'oreille. Ici, tout le monde sait que c'est Zegrim qui l'a tué. Mais personne n'ose le dire. Je vous dirai pas. Vous avez dit The Grimms? Bah oui, je vous l'ai dit, je dirais pas. Vous avez dit que c'est The Grimms? Bah oui, je dirais pas que c'est lui. Que c'est là, on arrête de blancer la téléphone ou quoi? Ils sont cons, ces deux. Excusez-moi. Bonjour, oui. Je suis inspectrice de police. C'était juste pour vous demander si vous étiez bien l'ex de The Grimms. Oui, c'est mon ex. J'ai plus contact avec lui. Je lui ai retiré la garde de sa fille. Genre, je lui parle plus, quoi. Nous allons l'interpeller. Une équipe fera une perquisition chez lui. C'est mieux que justice soit faite. Est-ce que vous avez une photo de lui pour voir à qui j'ai affaire? Vous savez, c'est pas un mec des réseaux, il est très discret. Il me reste une seule photo de lui, je comptais la supprimer, mais bon, je vais vous la montrer. C'est lui. Vous pouvez me l'envoyer par AirDrop, s'il vous plaît? Oui.
c'est bon, vous l'avez reçu. C'est bon. Je vous remercie. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Putain, il me rapporte que des ennuis, lui. En tout cas, j'espère qu'il va se faire attraper par la police. Mon mec, il est bizarre, il ne calcule plus. Je comprends pas, je crois qu'il est notre meuf. J'ai vraiment besoin que tu restes avec moi. Je suis désolée, je suis folle amoureuse de mon mec. En plus, on doit se voir, il a une surprise pour moi. Ma belle, je vais te laisser, j'ai un peu de viande. Vas-y, si c'est si important que ça. T'inquiète, on se part ce soir. Oh, je suis trop contente, je vois mon bébé d'amour, je suis trop contente. Elle préfère que ma copine, elle est jamais là pour moi. Je suis sur une enquête qui me prend trop de temps. Ok. Et c'est quoi exactement? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Même si c'est un secret professionnel. Je suis pas dans le milieu, moi. C'est un meurtre. Un dénommé Dosvin a perdu la vie suite à un coup de poignard. On n'en retrouve pas l'auteur de cet acte. Ah, ok, d'accord, je vois. Histoire de meurtre, tout ça, je vois le délire, je vois le délire. Et tu vois ton demi-frère, est-ce que tu peux voir avec lui pour l'histoire du coulis? Parce que là... C'est bon, c'est envoyé. J'ai reçu une photo, mais le tueur, c'est toi. Putain. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Putain, t'as parlé à ma soeur toi en plus? Comment ça, j'ai parlé à ta soeur? Tu fais des menaces à mon équipe? Comment ça, tu fais des menaces à ton équipe? J'ai pas fait des menaces à ton équipe! Mais ils m'ont dit qu'ils ont pas reçu le colis, tu vas pas donner le colis. Putain, tes gars sont venus, ils m'ont menacé, frère! Ouais, bah ouais, parce que mon colis est mon argent, je te dis! Vas-y, dégage là, putain! J'ai plus de munitions! Ouya! Tiens! Paix maintenant, c'est ce que tu veux. Je veux que tu m'aides, ok? Ça c'est un signe de paix. Je te rends ton colis et tu m'aides. Mais qu'est-ce qui se passe? Le colis, tu as changé le colis, il est où? Il est où? Je n'ai pas changé le colis, laisse-moi. Ah.
Oh mais putain, ça fait une heure que je l'attends. En plus, il m'avait promis un truc. Du coup, demain, tu vas venir à la mémoire. C'est pas une faute. On se voit où? On se voit devant le magasin bleu, à la rue de Poitou. D'accord, mon amour, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Vas-y, là, je me casse parce que j'en ai marre d'attendre. Parce que dans toute la zone, tout le monde veut ma peau. T'es sûr que t'as besoin d'un allié? Je suis sûr. T'as un allié, moi. C'est quoi le plan? Le plan, c'est quoi? Pour récupérer ton colis, il y a des mecs qui veulent ma peau. Si on se met ensemble, on les fume. On les fume. Ok? Ils ont du bif. Ils ont du bif, du pognon. Ok? Parce que tu vois ton colis, je l'ai passé à un mec et à ma meuf. Enfin mon ex, bref, laisse tomber. Ça s'est volatilisé. Et en plus, le mec, Benko, il a disparu. Je le vois plus. Et j'en suis sûr qu'il y a un bâtard qui a ton colis. Hein? Putain. T'as pas perdu la main toi? T'as frappé un peu fort là. Ah, moi je voulais te gifler, hein, t'es là, tu tiens comme ça là, c'est quoi mon gars? Eh, hey, je te jure, ton colis, on va l'avoir. J'en suis sûr, c'est quelqu'un qui l'a, tout ça, tu connais. Et en plus, si on bute ces gens-là, on les fume. Hein, on les fume, tout ça. Tout va bien se passer, t'inquiète pas, t'auras du bif. Ok? Ils sont occupés, pas le colis, on fume pas les gars, je te rends ton bif, t'as ma parole. Ok? Essaye pas de me la mettre. Ça t'a fait une fois. Une fois que t'as fui, j'ai dû te traquer encore. Quitte pas mon gars, je vais pas te la mettre. Ok? Tu me fais confiance? Je vais pas te la mettre. Fais-moi confiance mon gars. Ce sont des mecs de la rue mon gars. Le bendo, c'est nous. Ok? Voilà. Je te fais confiance. Ouais. Si on réussit, t'as un allié à vie. À vie? Bien sûr. Pourquoi pas? Allons retrouver ces mecs. Ah, j'ai quelque chose à faire là. Pas tout de suite. Je vais me doucher, tout ça. J'ai failli casser mon coude. T'inquiète, ok? Mange bien. Pose-toi bien. On fera les choses. On s'appelle. Réponds-moi, s'il te plaît. Je fais quoi? Allô? S'il te plaît, tu peux me retrouver à la rue Python. Là, j'ai mon copain qui manque, je sais pas, il explique plus, je sais pas qu'est-ce qu'il a. Une enquête sur la mort de Dosvin. Sérieux? Mais oui, et il y a une policière, elle est venue me poser des questions. La police, elle est venue te voir. Mais oui. Mais tu penses qu'ils vont venir me voir, moi aussi? Ben oui, t'étonnes pas, hein. Mais je vais dire quoi? Ben, dis-leur la vérité, ok? Je vais pas leur dire la vérité. Bon, en tout cas, moi, je leur ai dit la vérité. Je leur ai dit quoi exactement? Ben, je leur ai dit que c'était oh! Non, pas lui! Mais non, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Non, c'est mon gars, lui! C'est mon gars! Comment ça, c'est ton gars? Mais qu'est-ce qui se passe? On a le même gars. Moi je me chie, c'est un bâtard ce connage, en fait. Tiens, tiens, tiens. Qui voilà? Benko. Il est où mon colis? Avance, avance. Avance. Ok. Je t'écoute. Attends, attends, mec, mec, je vais t'expliquer ce qui s'est passé pour le colis. Attends. T'es en train de me dire que t'as pas mon colis, c'est ça? En fait, l'autre fois, quand on était avec Laurine, il y a des mecs qui sont venus en courant, ils nous ont frappés, ils nous ont arraché le sac. Quoi? Les mecs ont fait quoi? Ils m'ont donné un coup de poing. Quoi? Et après, ils sont partis, on a rien pu faire. Je te jure. En plus, il essaye de fuir. Sans ouf, lui. Reviens là, putain, reviens.